tous. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. On vous retrouve pour Ça se discute tous les mercredis soirs sur cette chaîne, sur France 2. Encore, mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, encore quelques jours, encore quelques semaines à peine, et la fameuse petite pilule bleue sera disponible en pharmacie. Le Viagra arrive en France ce mois d'octobre 1998. C'est donc ce nouveau médicament contre l'impuissance qui devrait modifier considérablement la sexualité de pas mal de personnes en France. On parle de 3 millions d'hommes concernés. Grâce au Viagra, pourrait-on dire grâce, nous avons saisi l'occasion de lever le voile ce soir, grâce à l'arrivée du Viagra, sur les troubles sexuels de manière générale, les troubles sexuels dans leur ensemble, car si on se vante facilement de ses exploits, surtout nous les hommes, il est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible, de parler de ce qui ne marche pas, de ce qui finit par pourrir l'existence, de ce qui finit par faire exploser pas mal de couples. Alors l'émission de ce soir sera consacrée à l'ensemble des troubles sexuels, masculins et féminins, à leurs conséquences dans la vie amoureuse, ainsi qu'aux traitements existants. Je précise qu'il existe des traitements pour à peu près 90% des pathologies, selon les spécialistes. Nous parlerons donc des traitements médicaux qui existent déjà avec Jean-Marc, qui, grâce à des piqûres de papavérine, bonsoir monsieur, faites directement dans la verge, peut avoir des relations satisfaisantes avec pénétration depuis quelques années. Nous discuterons également des solutions psychologiques avec Charles, qui, bonsoir Charles, qui grâce à l'aide d'un sexologue et d'une thérapie de groupe, a pu résoudre la crainte de la panne sexuelle. Après une panne, vous aviez peur que ça arrive à nouveau. Ouais, rigolez pas, ceux qui rigolent le plus, bien pour moi, vous savez. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Bonsoir. Marion et Gabriel nous commenteront leur thérapie de rééducation sexuelle. Bonsoir, Marion et Gabriel, ils sont juste là. Bonsoir Marion et Gabriel, qui ne pouvaient pas avoir de relation satisfaisante puisque Gabriel était éjaculateur précoce, mais ne le savait pas, puisque jusqu'à l'âge de 28 ans, Gabriel, vous n'avez fait l'amour que dans votre voiture. Et puis nous accueillerons également Rocco Siffredi. Bonsoir Rocco. Bonsoir. Bien, que je vais présenter donc... que je vous présentais quand même pour les 2-3 qui n'étaient pas au courant, qui ont raté les films précédents. C'est l'un des comédiens de films X les plus connus actuellement. Nous allons raconter, Rocco, pourquoi vous êtes dirigé vers cette profession. Une manière pour vous de répondre à un trouble sexuel qui est mal connu, qui est l'hyperactivité. Vous avez toujours le désir, vous avez toujours envie. Vous aviez toujours envie, vous avez encore envie, toujours. Plus ou moins tout le temps, oui. Ah oui, vous avez quel âge? Vous pouvez demander à ma femme, elle est toujours là. L'épouse de Rocco est avec nous dans le public, juste au premier rang français, tu devrais la trouver normalement. Voilà. Rocco, vous aviez toujours le désir, est-ce que vous avez encore le désir, toujours? Heureusement, oui. Ah oui, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Ah bon? Ben, Henri IV disait jusqu'à 40 ans, j'ai cru que c'était un os. Non, j'espère que ça dure un peu plus longtemps. Oui, ce qu'on vous souhaite aussi. Bien, donc différents invités, comme vous avez pu le voir dans ces quelques présentations. Nous parlerons du tabou qui règne avec eux encore sur la sexualité, puisqu'il y a quelques personnes qui sont là pour en témoigner, puisqu'elles ont choisi de témoigner anonymement. Nous verrons que les progrès médicaux, et notamment l'arrivée du Viagra, permettent d'en parler de plus en plus librement. Est-ce que pour autant une réponse aux difficultés des relations amoureuses, mystère et boule de gomme? Allez, avant de nous poser cette question et de vous présenter les autres invités à qui nous avons consacré un reportage, je vous demanderai d'accueillir notre chroniqueur de ce soir, qui est professeur de littérature dans le Beaujolais, qui est également écrivain depuis de nombreuses années, spécialement de romans érotiques. Son prochain roman s'appelle Extase anonyme, sortira dans une quinzaine de jours. Françoise Rey est avec nous, bonsoir. Françoise, quelques mots sur ce qui vous attendait de l'émission de ce soir. Eh bien, bonsoir. Moi, j'aime beaucoup parler de sexe, ouais. Mais j'aime en parler très sérieusement. Mmh. Pas tristement, ça n'exclut pas la bonne humeur, mais j'aime en parler gravement. Et je pense que l'émission va apporter peut-être des réponses, peut-être des consolations s'il y a lieu, peut-être un mélange en tout cas de témoignages. Et je tiens à remercier les gens qui ont eu le courage de venir ce soir pour témoigner, pour apporter leur contribution au fait d'élargir les mentalités. Et je pense que les ricanements, les gros éclats de rire, la grivoiserie, ça n'est pas une façon de parler de sexe, c'est une façon de se masquer un malaise en fait, qui peut-être touche chacun d'entre nous à des moments et à des niveaux différents. Vous ressentez encore des malaises, vous qui... Tout à fait. Oui, dans quelle situation, pardon, par exemple? Par exemple, quand j'entends rire, ah oui. Lorsque vous exposez les problèmes des gens qui sont là, ça me met très mal à l'aise. Ah oui. Enfin, ça n'exclut pas la bonne humeur non plus, Louise et François. Et merci donc à nos invités, et bravo d'être avec nous ce soir. Je vous présente nos autres invités, Paul et Sabine. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue parmi nous. Ça fait 3 ans que Paul a des troubles d'érection. À la suite d'une opération de la prostate, on va vous faire une petite piqûre, vous, dans les fesses directement, monsieur Général. 3 ans que vous avez donc des troubles d'érection, Paul, à la suite d'une opération de la prostate, c'est quelque chose d'assez classique chez les hommes. En 3 ans, vous avez essayé de nombreuses thérapies qui ne vous ont pas satisfait.
Non. Aucune jusqu'à présent. Vous considérez le Viagra comme une dernière chance. Vous avez essayé le Viagra. On va le voir dans le reportage qui va suivre maintenant, qu'on verra plus tard en intégralité. Puis nous direz comment ça a fonctionné. On verra ça un petit peu plus tard dans l'émission, puisque c'est le dernier volet de l'émission que nous avons consacré au Viagra. Il ne s'agit pas de personnalité à qui on a fait tester la pilule bleue, mais vraiment quelque chose de sérieux pour voir ce qu'on peut en attendre. Voici donc un extrait du reportage avec Paul et Sabine. Nous sommes en Suisse, l'un des rares pays européens où l'on peut se procurer du Viagra aujourd'hui. Avec une caméra cachée, nous avons voulu voir s'il était facile d'en obtenir. Combien voulez-vous ? Je me dis qu'une trentaine, ça serait bien. Écoutez, je vais vous donner du 50 et puis tant pis si vous vous surdosez parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des nuances. Venu spécialement de Paris, Paul a un véritable problème d'érection. Pour lui, la consultation est plus longue et plus poussée. Nous avons eu une discussion avec votre époux et je lui ai remis une prescription pour ce médicament dont vous avez entendu parler, comme tout le monde, Viagra. Il en a besoin, mais il en a besoin comme d'un starter. En fait, je suis persuadée qu'il a besoin de reprendre confiance en lui. Si jamais ça marchait pas, qu'est-ce que... Je sais pas parce que... Je pense pas que je repartirai ou que je réessayerai ce que j'ai déjà essayé. Donc, je sais pas. Alors quand vous dites, on verra tout à l'heure si ça a fonctionné ou pas, quand vous dites je ne sais pas, c'est-à-dire? Je sais pas, j'ai essayé diverses choses avant le Viagra, je pense qu'on en parlera un petit peu au cours de cette émission. Les injections. L'injection notamment, ouais. Quand je dis je sais pas, je veux vraiment en sortir et je pense que si ça marchait pas, ça ne marchait pas le Viagra, il faudrait à nouveau tout envisager, mais... Y compris la séparation, vous voulez dire? Non. Non. Non, je dis... Oui, madame? Non, je pense pas que c'en était à ce stade-là, mais c'est vrai que c'est extrêmement déstabilisant, en ce sens que s'il était possible de... Si l'envie n'y était pas, s'il n'y avait pas l'envie de continuer une vie sexuelle normale, je pense que c'est assez facile dans ces conditions-là de laisser tomber, si je peux dire. Tandis que ce n'était pas notre intention, nous avions jusqu'à là une existence sexuelle tout à fait satisfaisante et c'était extrêmement frustrant pour l'un comme pour l'autre. D'accord, donc depuis 3 ans, c'était calme, comme on dit. Ouais. Oui. Depuis cette opération de la prostate. Pourquoi vous avez décidé vous avez souhaité témoigner de manière anonyme ce soir avec nous? C'est difficile. C'est les ricanements justement dont parlait Françoise. Entre autres. Entre autres, oui. Je trouve que personnellement, ça m'a été très difficile de venir. Et je dirais que si je suis là ce soir, c'est grâce à Sabine. Personnellement, je ne serais pas venu. Entendu. Merci Sabine. Docteur Schumann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes urologue. À ce titre, vous êtes donc amené à soigner des patients qui souffrent de problèmes sexuels. 90% des problèmes sexuels sont d'origine psychologique, dit-on. Ça en laisse quand même 10%. 10% qui sont donc d'origine mécanique ou organique. Organique, disons. La médecine dispose donc de différents traitements. Il y a le Viagra qui arrive maintenant, mais également donc les injections dont on a parlé rapidement et dont on parlera plus en détail. Également les prothèses qu'on installe dans le pénis. Et là, je parle uniquement de l'aspect masculin des troubles sexuels, puisqu'on s'intéresse de plus en plus aux troubles sexuels féminins, ce qu'on va évoquer dans un court instant. Nous avons donc vu ce que les médecins étaient capables d'apporter comme solution à tous ceux qui ont des problèmes, qui leur pourrissent la vie, véritablement, et qui, quand ils sont passés dans vos mains et que ça s'est bien passé, redécouvrent, je dirais, une seconde vie. Voici donc un extrait du reportage avec le docteur Schumann. Voilà, je vous dis ça. Installez-vous. Les troubles majeurs, vous avez des troubles de l'érection, bien sûr. Vous avez des troubles de l'éjaculation, qui peut être le plus souvent trop précoce, ou en tout cas mal contrôlé. Parfois tardive, parfois absente, parfois peu vigoureuse. Et puis vous avez les troubles du désir sexuel, qui sont évidemment plus d'ordre psychologique. Dans des cas très précis, la médecine peut résoudre un certain nombre de problèmes. Pour ce qui est de l'érection, on peut par exemple avoir recours à des injections locales. Il pourra tout à fait réaliser ses injections lui-même, selon un protocole et une surveillance épisodique. Ce qui lui donne une très bonne autonomie et la possibilité de reprendre le dialogue sexuel à l'intérieur du couple. Le dialogue sexuel. Oui, c'est très important le dialogue sexuel. Vous appelez ça le dialogue sexuel, c'est-à-dire la relation sexuelle entre les... La relation sexuelle, bien sûr, c'est un dialogue. Ah, c'est un dialogue, oui. Oui, une recherche d'harmonie. Ah oui, à deux. Excusez-moi Jean-Marc, vous qui connaissez bien ces piqûres, est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est douloureux, est-ce que tout le monde fait? Comment on le diffuse? Ça fait bien moins mal qu'une piqûre dans le bras, bien moins mal qu'un vaccin. Pratiquement, c'est indolore. D'accord.
À vos côtés, Mélissa et Isabelle, que je vous demande d'encourager, mesdames, messieurs. Bonsoir Mélissa, bonsoir Isabelle. Qui est Mélissa, qui est Isabelle? Mélissa. Alors ça ne se voit pas forcément, mais Mélissa, là, voilà. Merci Massimo. Et Isabelle sont deux sœurs jumelles. Ça ne se voit pas parce que vous témoignez de manière anonyme, vous aussi. Vous êtes sœurs jumelles, vous avez toutes les deux connu des troubles sexuels assez importants. Vaginisme pour l'une, anorgasmie pour l'autre. C'est vous, Isabelle, qui connaissiez le... Vaginisme. Qu'est-ce que c'est, le vaginisme? Alors, vaginisme, c'est impossibilité de pénétration parce que les muscles sont serrés, resserrent. Et donc, voilà. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à... il y a 6 mois. Et vous êtes mariée depuis combien de temps? Et je suis mariée depuis 2 ans, à peu près. Ce qui vous a fait dire, donc, dans une consultation de thérapie de groupe, que vous étiez mariée et vierge. Voilà. Oui. À vos côtés, donc, votre sœur Mélissa, qui l'anorgasmie, c'est donc l'absence de plaisir. Ça l'absence va mieux également? De plaisir et l'absence de désir aussi. De désir aussi. Alors, avant de discuter ensemble de la façon dont vous avez abordé vos problèmes respectifs, qui sont encore moins connus que les problèmes que connaissent les hommes, je crois que c'est bien d'en parler ce soir, nous avons compilé quelques chiffres qu'on connaît, ils sont assez rares, on a dû regrouper pas mal de sources pour essayer de recouper les principaux problèmes de troubles sexuels qu'on peut rencontrer aussi bien chez la femme que chez l'homme. Regardez. Chez les hommes, les troubles graves de l'érection concerneraient de 2 à 3 millions de personnes. Un homme sur 10 serait donc considéré comme impuissant. Par contre, le nombre d'hommes qui auraient eu des pannes durant leur vie sexuelle est bien plus important. Il s'échelonnerait de 26% pour les 18-19 ans à 63% pour les plus de 55 ans. On pouvait s'en douter, plus on vieillit, plus les difficultés augmentent. Mais c'est l'éjaculation précoce qui arrive en tête des difficultés masculines. 15% des hommes éjaculeraient avant le rapport, ou en tout cas trop tôt, après la pénétration, tandis que 9% des personnes interrogées n'auraient pas d'orgasme ou n'éjaculeraient pas du tout. Chez les femmes, 11% ont déclaré n'avoir souvent aucun orgasme pendant les rapports sexuels, et 8% d'entre elles, contre 3% chez les hommes, affirment n'avoir aucun désir sexuel. Lorsque ces troubles surviennent, la grande majorité des personnes ne consultent pas de spécialistes, comme par exemple les sexologues. Cette démarche ne tente que 10% des hommes à problème et à peu près autant de femmes. Les résultats de ces consultations sont difficiles à mesurer. On sait que les 3/4 des hommes atteints de troubles de l'érection trouvent une solution acceptable avec les injections dans la verge de prostaglandine. Quant au Viagra, la nouvelle pilule qui devrait être disponible sur le marché français, 68 à 84% des hommes qui l'ont testé en ont été satisfaits et ont retrouvé leur virilité. Voilà pour les quelques chiffres dont nous disposons aujourd'hui. C'est peu de chiffres finalement, monsieur Schumann, non ? Oui, c'est peu de chiffres, mais c'est très difficile de faire une enquête sur la sexualité. La dernière enquête qui a été réalisée a été faite par le service du professeur Spira à Bicêtre, et c'était une enquête téléphonique. Il y a quelques années, en 92, je crois, oui, au début des années 90. Ouais. Oui, une enquête téléphonique, parce que les gens, ce que je dis, un autre monde du silence, c'est vrai que les gens se parlent du sexe en positif, mais en négatif, c'est plus difficile. Enfin, quand c'est difficile, les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, puis c'était assez difficile d'aller interroger les gens dans la rue sur leur sexualité. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plus frappé dans les chiffres que vous venez de voir, dans les statistiques, Rocco? Est-ce qu'il y a un chiffre qui a retenu plus votre attention que les autres? Les jeunes. Oui. Ça m'a fait, parce que bon, quand j'avais commencé, bon, je ne veux pas mettre moi au milieu, parce que j'étais peut-être, j'avais un problème, au contraire, qui après c'est devenu mon grand, comment on dit Hobby? Métier? Non, c'est devenu... Passion? Pas le problème, le contraire du problème, c'est l'atout, voilà. J'avais le problème d'avoir des érections très fortes. Quand j'avais 12-13 ans, je connaissais une fille, je lui donnais la main, bonjour, je m'appelle Rocco, j'avais des érections. Ça, c'est toute réalité, ce n'est pas un jeu. Et je croyais que j'avais un grand problème. Après, en faisant des films, c'est devenu mon grand... Atout. Atout, voilà, atout. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est bizarre d'entendre qu'il y a des gens de 18-19 ans qui ont ces problèmes-là. Quand quelqu'un il a 50-60 ans, c'est plus... Je ne veux pas dire normal, c'est mauvais toujours, mais c'est plus normal. Chez moi, chez ma façon de voir la chose. Que les jeunes, ça me fait un peu penser. Je comprends. Monsieur Schumann, vous, les jeunes qui ont des problèmes de troubles de la sexualité ont souvent des troubles d'origine psychologique ou parfois aussi d'origine physique? Les troubles sont presque toujours d'origine psychologique chez les jeunes. Ouais. Il peut y avoir très rarement des malformations, mais c'est vraiment exceptionnel. D'accord. Alors Mélissa et Isabelle, on va parler un petit peu ensemble. Peut-être Mélissa d'abord pour démarrer. Comment vous avez découvert que vous aviez un problème? À quel âge vous avez eu cette révélation, si on peut dire?
Ben, ça prend un petit peu de temps parce que lors de la première relation sexuelle pour une jeune fille, de toute façon, c'est pas extraordinaire. Donc je me suis dit, ben, c'est parce que c'est la première fois. La fois d'après, je me suis dit, ben, c'est parce que je suis stressée. Et en fait, c'est à force d'avoir eu 3 ou 4 relations sexuelles que je me suis aperçue que, quelle que soit la situation, de toute façon, j'avais pas de plaisir. Comment vous et avez... j'avais pas d'envie. Et pas d'envie. Vous n'avez jamais eu d'envie jusqu'à il y a quelques mois seulement. Voilà. Vous avez quel âge maintenant ? J'ai 27 ans. Comment vous avez réussi à mettre un nom sur vos problèmes respectifs, à toutes les deux ? La frigidité, c'est un mot assez courant dans le vocabulaire, c'est assez usuel. Hein. Une femme un peu froide, on dirait elle est frigide, une femme... Donc c'était un mot que je connaissais. Donc il a juste fallu qu'un jour je pense un peu à mon problème et je me suis dit, bon, je suis une femme frigide. Ouais. Et vous, Et quant à moi, c'est en lisant un ouvrage de Françoise Dolto. Oui. Qu'on m'avait conseillé et qui parlait de ça, et que de ça. D'accord, et avant ça, vous en parliez avec votre mari, comment ça se passait ? Ah ben ça, c'était déjà avant de le connaître, quand même. Je savais ce que j'avais. Il était au courant. On s'est mariés, il savait qu'il y avait un problème, il en était conscient, moi aussi. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi deux jumelles se retrouvent avec des problèmes d'ordre sexuel ? Elles ont la même mère. Elles ont le même père, à mon avis, dans votre cas. Elles ont surtout la même mère. Elles ont surtout la même mère. Pourquoi surtout la même mère ? Parce que si on a eu dans notre enfance, dans notre éducation, une image de la sexualité qui n'était pas positive. C'est-à-dire qu'une jeune fille, moi quand j'ai été voir ma mère pour la première fois, parce que j'étais amoureuse d'un garçon, je l'avais embrassée sur la bouche, j'avais 15 ans, elle m'a dit « ma fille, t'es une pute ». Donc on a toujours été un peu brimés dans notre sexualité. Et quand vous avez couché avec un garçon et que vous lui avez dit comment elle avait réagi alors, C'est pas moi qui lui ai dit, c'est ma soeur qui a gaffé. Qui a cafeté ou qui a gaffé ? Qui a gaffé. Ah bon. Qui a gaffé. Réaction de votre maman ? Elle a pleuré. C'était affreux. Elle allait me marier en blanc cassé ou en rose pâle. Alors le blanc, c'était plus pour moi. Enfin, c'était terrible. Ouais. Vous avez vécu plusieurs années donc avant d'en parler à votre mari ? Oui, de très nombreuses années. Combien d'années ? 7 ans. Comment vous êtes-vous décidé à en parler à votre mari ? Vous simuliez avant ? Oui. Donc les femmes savent faire ça. Oui, très très bien. Beaucoup de femmes simulent, vous dites ? Je pense qu'énormément de femmes simulent, oui. Vous pensez ça comment ? Vous avez un doute ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont des problèmes sexuels que les hommes le pensent. Donc je suis persuadée que beaucoup, beaucoup de femmes ont des troubles sexuels. Vous en avez déjà parlé avec d'autres femmes ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. D'accord. C'est facile de simuler ? C'est facile de simuler. Je peux vous demander comment on fait, on imagine. De toute façon, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de filles aussi dans mon métier, dans des films, c'est très facile pour eux simuler que pour les mecs. Ah, les mecs, c'est plus difficile. Ah. Donc, je veux dire... On parlera du dopage quand même dans le porno tout à l'heure. Donc, je voulais dire, c'est vrai, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de filles qui font du hard qui simulent très, très, très bien. D'accord. Les Américains surtout. Pas beaucoup les Européens. Les Européens simulent beaucoup moins. Ouais. Comment vous êtes-vous décidé à en parler à votre mari après 7 ans, c'est ça ? Après, c'est long, 7 ans. Hein. Ça après peut être ressenti comme une grande trahison par le monsieur. Oui, j'étais entrée dans un processus de mensonge et je ne pouvais pas tellement en sortir. Alors, en fait, la première personne, j'en ai parlé la première fois, non pas à mon mari, mais à ma sœur, parce qu'elle était déjà entrée en traitement avec un sexologue et elle était extrêmement déprimée. Elle se sentait moins que rien, dévalorisée. Et je me suis sentie très injuste parce que je l'avais motivée à aller se faire soigner. Et en fait, je lui cachais depuis toujours que j'avais également un problème. Donc la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma sœur, qui, elle, m'a grondée en me disant qu'il fallait que j'en parle à mon mari, que c'était pas possible, qu'il fallait que je me fasse soigner. Et donc, tout doucement, je lui ai, par petits bouts, en lui disant, tu sais, à chaque fois, c'est pas forcément le pied. Puis en fait, tu sais, la majeure partie du temps, c'est pas forcément extraordinaire. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, c'est jamais bien. Faut passer par là, mais c'est pas... Réaction du monsieur ? Très fâché au début, très en colère, il s'est senti trahi, il a pensé que j'avais pas assez confiance en lui pour lui avouer mon problème. Et puis après on en a parlé, on a réfléchi, il s'est aperçu que s'il avait subi finalement mon mensonge, moi je subissais ça aussi et que finalement j'étais pas coupable, on était deux victimes. Donc ensemble vous avez décidé d'aller voir un spécialiste, voilà. De consulter Le spécialiste de ma sœur, puisqu'elle avait commencé, ouais. Autant continuer. Ouais. Et voilà, donc on a pris rendez-vous pour commencer une thérapie. D'accord. Comment s'est déroulée la thérapie que vous avez suivie ? D'abord, j'y suis allée seule pour, euh,
pour voir un petit peu, pour pouvoir parler de moi sans mon mari, pour peut-être dire quelques autres petits mensonges sans que mon mari soit là. Quel genre de petits mensonges ? Si je ne l'ai pas dit à lui, je ne vais pas vous le dire à vous. Ah, peut-être que vous l'aviez dit depuis, je me suis dit. Non, mais des sur la vie sexuelle avant, sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de parler outre mesure. Et ensuite, on a fait une séance à deux, avec le sexologue, où là, il nous a un peu exposé les grands tracés de la thérapie et ce qu'il pensait faire pour nous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une première période d'abstinence, où l'objectif, en fait, c'est de dire que, puisqu'on n'a pas passé le cap de l'adolescence dans la maturation des relations sexuelles, qu'il n'y a pas eu de masturbation, qu'il n'y a pas eu de découverte du corps, on nous remet dans l'interdit d'un adolescent, c'est-à-dire pas de relation sexuelle. Donc il y a cette première phase à respecter. Longue ? Ça dépend des progrès qu'on fait après. Pour vous, alors ? Deux mois. Ouais. Deux mois où on n'a pas le droit de se toucher. En dehors du baiser, de bonjour, d'au revoir, du bonsoir, mais pas de, rien de sexuel, pas de geste sexuel. Dans une deuxième période, on apprend mutuellement à se donner du plaisir, mais sans acte sexuel, sans pénétration. Et la troisième phase, où c'est le bouquet final, on a le droit de tout faire. Et le plaisir est arrivé à partir de combien de temps, à partir de combien de mois ? Trois mois. Ça, deux mois, c'est rien. Ensuite, voilà. Donc à partir du troisième mois, vous étiez aussi dans les caresses, si j'ai bien compris. Voilà. Sexuel autorisé. Sexuel autorisé. Et là, vous avez commencé à ressentir du plaisir pour la première fois ? Oui, parce qu'il n'y avait pas... en fait, le plaisir, je m'autorisais à avoir du plaisir parce qu'il n'y avait plus de contraintes de pénétration et d'aller jusqu'au bout du rapport. C'est-à-dire que je pouvais enfin dire « stop, j'en ai marre, j'en ai plus envie, ça me fait plus plaisir ». Je pouvais enfin dire ce que je pensais et ce que je vivais. Vous n'étiez pas obligé d'attendre que votre partenaire soit satisfait. Quoi, voilà. Ouais. Et je n'avais pas besoin de faire semblant non plus. Ouais. C'est assez essentiel, ça. Oui, j'en prie. C'est la notion d'objectif. Quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a plus de pression et on est beaucoup plus à l'aise, en fait. Si on perd l'objectif, on perd la pression et le plaisir se développe. Ouais. Et on est beaucoup plus serein. Vous avez l'impression de sentir la pression, comme on dit qu'un footballeur a la pression avant un grand match, par exemple ? Je pense que beaucoup d'hommes, effectivement, doivent atteindre un objectif, donc se fixent une barrière. Et quand il y a blocage, ça devient de plus en plus dur, en fait. Ouais. Dès qu'on enlève cette barrière, le corps s'exprime, on est plus naturel, et le plaisir peut naître. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance. Ouais. On rentre dans un cercle vraiment vicieux. On rentre dans un cercle anxiogène. Ouais. Mais ce qui est surtout notable dans le témoignage, et qui est un très beau témoignage, c'est d'avoir perdu 7 ans. Ouais. Et ça, je crois que vraiment, on peut inciter les couples à consulter très vite, ne pas attendre que s'installent des situations qui sont ou tristes ou conflictuelles avant qui sont de consulter. Dangereuses pour le couple. Sentiez votre couple qui était en danger. Ah oui. Au bout d'un moment, il y a pas. Mon mari se sentait bien que j'avais pas envie d'avoir de relations sexuelles, donc il comprenait pas très bien pourquoi. Il y avait une certaine agressivité en fait. Puis moi, j'avais pas. Les premières années, faire semblant, c'était pas un problème parce que il y avait la nouveauté, il y avait. C'est, tout était rose, tout était beau. Et au bout d'un moment, quand il y a la routine qui s'installe, quand il y a les enfants, quand il y a la vie de famille, et qu'on est comme tout le monde, on travaille, on a des enfants, donc on n'a plus envie de faire l'effort. Et du coup, il y a une irritation. Et moi, j'étais très tendue. Je ne supportais plus qu'il me touche. Quand on se couchait, je me mettais dans mon petit coin, je me calais. Il y a vraiment une tension qui se crée dans le couple. Et finalement, on prend la mouche pour un rien. On n'est plus objectif du tout par rapport aux difficultés classiques de la vie. Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un non-dit dans le couple, et aussi parce qu'il n'y a pas de satisfaction physique aussi. Il n'y a pas de satisfaction. Et puis la vie d'un couple, dans la vie d'un couple de deux individus, il y a beaucoup de sexualité aussi. C'est une part très importante. Ça, c'est votre nouvelle vie, ça. Ça, c'est votre nouvelle vie. Vous sentez beaucoup mieux depuis ? Est-ce que ça a changé dans votre vie ? Oui, beaucoup. Je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus moi-même. Je me sens plus heureuse. Isabelle, comment vous vous êtes présentée la première fois que vous êtes arrivée en thérapie de groupe pour expliquer ce que vous ressentiez, parce que c'est beaucoup moins connu que la frigidité ou l'anorgasmie. C'est quand même connu, si les sexologues... Dans les ateliers de sexologie peut-être. Oui, enfin, je pense. Déjà, moi j'ai été à deux. Y aller seul, ça me traumatisait complètement, j'ai eu beaucoup de mal à faire la démarche. Et puis je me suis dit, bon... Et puis j'y étais dans une démarche, je cherchais pas, c'était pas pour moi finalement. Je me disais, moi je vis très bien sans, parce que sans pénétration j'avais quand même du plaisir. On avait trouvé un autre moyen pour pallier à ça. Et je me suis dit, bon ben finalement c'est pour lui, plus que pour moi. Parce que lui par contre en souffrait aussi physiquement forcément. Donc j'y allais pour lui. Pour moi, j'avais vraiment l'impression de faire la démarche pour lui. Et puis petit à petit, au cours de la thérapie, j'ai compris que c'était aussi pour moi, important pour mon équilibre, pour ma vie de femme. Ça s'appelle le vaginisme, c'est le nom qu'on le donne le plus couramment à cette pathologie. Oui, qui est quoi ? C'est un blocage des muscles du vagin ? Comment c'est un blocage, une tension musculaire qui empêche toute pénétration. Toute tentative de pénétration est douloureuse. Oui.
D'accord. Vous avez, en combien de temps vous avez pu vous ouvrir à de nouveaux espaces Il y a eu un an de thérapie. Un an de thérapie? Oui. Avant de pouvoir avoir une pénétration satisfaisante? Voilà. Enfin, une, non, pas satisfaisante, une pénétration. D'accord. Après, il y a toute une éducation derrière, mais ouais. Première pénétration, un an. Vous êtes arrivé au niveau de la pénétration satisfaisante maintenant? On est sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Vous cheminez vers. Ouais. Ça se passe mieux avec votre mari également? Là, ça a résolu d'autres petites tensions qui pouvaient Mais en fait, les tensions, au départ, il n'y en a pas eu. On était... je ne sais pas comment expliquer. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Ça, même lui, il n'était pas très porté sur la chose, je dirais. Il s'est marié puceau. Bon, pour lui, c'était la femme qu'il épouserait, serait la femme de sa vie. Donc, c'est avec lui qu'il ferait la découverte de l'acte sexuel. Vous étiez vierge? J'étais vierge, forcément. Ouais. Donc, et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, tout d'abord parce qu'on voulait déjà créer une famille, avoir des enfants plus tard. Et puis, avec ce qu'on entendait, ce qu'on lisait, on savait bien que notre vie ne pourrait pas durer longtemps sans acte sexuel. Et c'est petit à petit, au cours du traitement, où vous avez quand même des périodes de haut et de bas assez fortes, où là, il y a eu des tensions qui se sont créées dans notre couple. Expliquez. Bah déjà, découragement, parce que c'est long. Un an, vous y allez quasiment toutes les semaines, c'est très long. J'étais devenue agressive, hein, impatiente. Lui, pareil, on était désespérant. On essayait, on faisait des tentatives, ça ne marchait pas. Je m'énervais, il s'énervait. Et puis, j'étais arrivée à lui dire encore 6 mois et on divorce. Oui. Vous avez une thérapie aussi par palier, comme pour Mélissa, tout à fait votre même sœur style. Moi, la fin était un peu différente dans la mesure où ça a été au grand mot les grands remèdes. Et ça, c'est la partie la plus difficile dans le traitement, en tout cas en ce qui me concerne. C'est-à-dire que ça finit chez un ostéopathe qui... comment dire ça? Un type qui manipule les os, les masses musculaires. Une zone tout à fait spéciale. Érogène. Et... situé vers le milieu du corps. Voilà. Ouais. Et il ne se contente pas de la manipuler, il y pénètre avec ses doigts, tout simplement. Il fraye un passage. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a fait le déclic chez moi, parce que j'ai trouvé que c'était horrible. J'ai détesté, bien sûr. Et mon mari était dans la pièce d'à côté, il m'entendait pleurer, rigoler nerveusement, enfin c'était l'enfer. Et il a suffi de 2 séances chez ce brave homme pour que tout se débloque. C'était, je pense, tellement traumatisant, presque, que ça m'a donné un coup de fouet, une claque, je ne sais pas. Et voilà. Et votre mari, pendant que vous riez, rigoliez fort dans le cabinet de l'ostéo, il le prenait comment? La première fois, il s'est dit, c'est un médecin. Voilà. La deuxième fois, il s'est dit, il y a quand même pas... c'est peut-être de la complicité, elle rigole, c'est pas normal. Et là, il l'a très très mal pris. Ah bon, vous avez fait la gueule et tout? Non, il m'a pas fait la gueule, il a pleuré, et ça s'est très mal passé après. Ah oui? Il s'est écroulé en pleurant dans mes bras, il l'a très mal vécu. Et je pense que c'est ce qui m'a fait réagir. Et juste après, c'était... Et 15 jours après, ça marchait. Et ben voilà, quelle histoire. Comment vit-on l'intrusion d'un sexologue dans ce qu'on a de plus intime, c'est-à-dire à la fois dans son corps et dans son couple? Déjà, c'est nous qui le laissons y entrer. On y va, on sait ce qui va se passer. Alors après, il a des méthodes qui plaisent plus ou moins. Alors bon, ou on accepte, on le garde, ou on n'accepte pas, on en change. Moi, j'ai accepté dès le départ son jeu. Au début, ce qu'il me disait me faisait faire des bonds monstrueux, il remettait en cause ma famille, la construction familiale. Votre maman? Ma mère, que je mettais sur un piédestal depuis des années. Vous pensez aussi, comme votre sœur, que votre mère y est beaucoup dans vos blocages? Oui. Y est pour beaucoup? Ah oui. Moi, j'étais partie avec l'idée, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, que c'est à cause de mon père biologique. Depuis, j'ai un beau-père, mais mon père biologique. Et du coup, de cuillère à peau, il m'a montré que ce n'était pas du tout lui. Vous pensez que c'est votre mère? Et je suis persuadée que c'était ma mère. Qui vous a quoi? Qui vous a éloigné de la sexualité, quoi? Qui vous a oui, une mauvaise donc, image? Culpabilisée. Ouais. Culpabilisée. Culpabilisée. C'est sale. C'est sale, comme dirait. Et c'était un devoir. Voilà. Elle était au courant de mon problème. Je me souviens encore d'une phrase qu'elle m'a dite en disant: soigne-toi, ton mari va demander l'annulation du mariage. Il a le droit, le mariage n'est pas consommé. Le mariage n'est pas consommé. Comme la reine Victoria qui disait fermer les yeux et penser à l'Angleterre. Donc elle est vraiment très carrée. Quoi. Pour elle, c'est un devoir. Ouais. Une femme doit faire des enfants. Et maintenant, pour vous, c'est quoi? C'est un plaisir. Et bon, je suis encore un peu rétro. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est peut-être encore un petit devoir parce qu'on est mariés et qu'on se marie. Pour moi, on se marie aussi pour fonder une famille et que pour fonder une famille, il faut bien passer par l'acte sexuel. Votre sexualité est satisfaisante, vous trouvez, aujourd'hui? Je ne parle pas de la pénétration en particulier, je parle de la sexualité de manière générale. Oui. 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 Et ma vie de couple se passe très très bien parce que tous ces problèmes qui ont duré quand même un an nous ont au contraire bien resserrés et on a vécu des choses difficiles. Même si c'est pas difficile, ça on l'a compris. Tout à fait, mais on s'en ressort grandi. Vous ressemblez beaucoup dans la vie ou pas? Oui. Ouais, plutôt. Oui, oui. Ouais.
Là aussi, hein, remarquez. Hein, on est aidé là. On vous habille... Pourquoi vous témoignez anonymement toutes les deux? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre mère ou vis-à-vis de... Non, de la famille, depuis des gens qui nous entourent, qui ne sont pas au courant. Et... Votre mère est au courant des thérapies que vous avez suivies chacune? Moi, oui. De ma sœur, oui, pas de la mienne. Ah, moi, bon. Je considère que ça ne la regarde pas. Elle a... D'accord. Elle avait sa chance il y a 10 ans, elle l'a ratée. Maintenant, c'est vraiment un problème qui ne la regarde pas. Chacune sa route, chacun son chemin. Merci, je donne la parole à Gabriel maintenant. Gabriel, est-ce que vous pensiez avoir un problème d'ordre sexuel avant de rencontrer votre compagne Marion qui est à vos côtés? Mais pas du tout. Donc, je suis italien, mais au contraire de Rocco, je n'avais pas le même problème que Rocco. Donc, j'ai 31 ans et jusqu'à 28 ans, je faisais chaque fois, avec des filles différentes, l'amour dans des voitures parce que j'habitais chez mes parents. Je n'avais pas un endroit où je pouvais aller, je ne connaissais pas des amis. Parce que chez nous, c'est le 90% des gens qui habitent chez les parents. Donc la voiture, il reste les plages, les champs de blé, les... Oui, ça change la voiture, mais oui. Le problème restait. Mais la chose très très drôle, c'était que je ne savais pas que j'avais ce problème-là. Parce que quand vous faites l'amour dans la voiture, il y a toujours un peu de peur qu'il y a quelqu'un qui vient vous regarder, de la police. Il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas le temps de comprendre. J'espère que ce n'était pas une Fiat 500. Une Fiat 500, c'est oui. Non, c'est un peu plus grande la voiture. Oui. Oui, d'accord. Très bien. Donc jusqu'à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire assez tard quand même. Ça durait combien de temps alors ces actes sexuels dans la voiture? Depuis 17 ans, la 18 ans, de voilà. L'acte sexuel. L'acte en ok. Oui. De 5 jusqu'à 7 minutes. Oui. Oui. Maximum. Oui. Comme moyen. Donc. Oui. Et personne, ou qu'une fille ne vous avait dit, ça y est, c'est tout, encore plus fort? Pas du tout. Comment? Non. Jamais. Jamais. Vous? Je suis la seule. Vous êtes la seule? Eh oui. Oui, parce que vous, ça devenait sérieux, vous avez une relation. Ça a commencé dans la voiture, Marion, dites-moi tout. Pas du tout, non. Ah bon? Et non, c'était pas possible parce que j'avais un Spider, donc c'était pas possible de. Ah oui, d'accord. Un deux places. Voilà. Un cabriolet. Un cabriolet deux places, d'accord. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Discothèque. En Italie? Non, en France. En France? En France, oui. En France, donc vous êtes fait la cour, c'est un détail, vous vous êtes vus, revus. Puis un jour, vous avez décidé de vous aimer, comme on dit. Mmh. Alors, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé assez rapidement, à mon goût. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que bon, ça s'est bien engagé parce que c'était assez tendre, etc. Mais après, quand on est arrivé au fait de la chose, je suis restée un peu sur ma faim. Et donc, je n'ai fait aucun commentaire. Puis bon, on a eu d'autres rapports qui étaient toujours plus ou moins comparables. Et puis bon, toi, tu m'as dit, mais j'ai l'impression que t'as pas vraiment de plaisir, etc. Donc je me suis dit, ah, c'est bien, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui colle pas. Mais bon, moi j'ai nié au début, hein. J'ai dit si, ça va, tout ça. Bon, peut-être que pendant les vacances, ça changera quelque chose. J'étais gênée d'abord, j'ai dit non, ça va. Puis après, tu as encore redit, mais bon, il y a quelque chose qui va pas. Alors je dis, mais tu sais, moi j'ai besoin de temps, quoi. Et j'ai besoin que le rapport dure plus longtemps pour pouvoir avoir vraiment du plaisir. Et puis bon, comme lui, en fait, vit en Italie et que je vis en France, il y avait le fait qu'on ne se voit pas très souvent aussi. Donc on pouvait penser que ça venait de ça aussi. Donc on s'est dit, bah, peut-être après, si on se voit plus souvent, si on vit ensemble, si on passe du temps pendant les vacances, etc., avec le temps. Bon. Il ne reste plus le problème d'éjaculation précoce pour appeler les choses par leur nom, quoi. Moi, je dirais mal contrôlé, parce que bon, ça n'a jamais été une éjaculation avant le rapport, mais bon, le rapport n'était pas contrôlé, en fait. Avant le rapport, ça arrive aussi. Ça existe aussi. Ouais. Mais là, c'était plutôt qu'il ne maîtrisait pas, quoi. Ouais. C'était son corps qui décidait à sa place. D'accord. Donc, bon, et puis en fait, on a vu que même si on se voyait plus souvent, et même si le contexte était différent, ça ne changeait rien. Mais à partir du moment où je t'ai signifié cette chose-là, toi, tu as eu aussi cette angoisse de performance, parce que tu as pris conscience de ça, donc tu t'es dit, mais il faut que je fasse quelque chose de mieux pour la satisfaire. En fait, c'était encore plus angoissé. Donc, je crois que ça a été encore pire, quoi, finalement. C'était toujours pire parce que j'avais peur de la perdre. Donc, chaque fois, je pensais, je regardais la montre, j'avais mis ma montre à côté du lit, voilà. Donc, je regardais ma montre, allez, encore 10 secondes. Donc, et vous vous concentriez à mort pour essayer de tenir. Oui. Et
C'est une mise en cause qui est difficile pour un homme à accepter, quoi, quand on n'arrive pas à rendre... Oui, à... surtout pour moi, parce que je ne savais pas qu'elle me disait ça, parce que j'espérais toujours que peut-être un jour, dans ma tête, ça changerait quelque chose. Mais finalement, non. Donc, elle m'a proposé d'aller voir un sexologue. Donc, de ce moment-là, j'étais complètement dehors de moi. J'étais très énervé parce que je n'avais pas le courage. J'avais honte d'aller chez un sexologue pour lui expliquer que je souffrais d'éjaculation rapide. Mais finalement, nous sommes allés chez un sexologue, une femme de 55 ans. Vous avez vu trois sexologues en tout, c'est ça? Oui. La troisième est d'ailleurs notre invitée d'ici quelques instants. Oui, la première. La troisième fut la bonne. La troisième fut la bonne, elle est là. La première nous a menés à... dans un endroit où il y avait des autres couples qui parlaient de yin, du yang. Elle me faisait répéter « Comment tu t'appelles ?» Je lui disais « Gabriel ». Non, non, ça va pas. Gabriel. Oui, j'ai compris, mais quand je fais l'amour, je ne dis pas « Gabriel ». Non, vous avez le choix, vous dites « Marion » plutôt. Même, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on a changé de sexologue. Après un rendez-vous seulement ? Après un C'est-à-dire rendez-vous. Qu'en fait, non, on a consulté cette première sexologue ensemble qui a cerné le problème, mais à mon avis, pas vraiment la solution. Donc, elle nous a dit de prendre des oligo-éléments qui correspondaient un peu comme l'acupuncture au foie, au rein, etc. Donc, chacun, on avait notre ordonnance d'oligo-éléments. Ça ne peut pas faire de mal, enfin, d'ici que ça fasse du bien. Moi, ça voilà. Ensuite, on a accepté de faire des séances en groupe. Alors, il y avait des gens qui apparemment n'étaient pas là d'ailleurs pour ce problème-là, qui étaient là même pour d'autres problèmes psychiques. Bon, qu'on ne connaissait pas vraiment. Quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble ? Ils faisaient un peu une recherche sur eux-mêmes, quoi. C'était un peu fumeux, quoi. Oui. Voilà, on n'a jamais très bien cerné. Et puis donc, il fallait, voilà, donc s'introspecter. Moi, elle me disait, mais toi, t'es très yang, donc il faut que tu développes ton côté yin, féminin, beaucoup plus de douceur. Et toi, enfin bon. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'a priori, c'était pas la thérapie qui vous convenait. On voyait pas très bien le lien avec le fait d'avoir un résultat. Dans notre relation. Donc on a très vite laissé tomber. Voilà. Le numéro 2 était comment alors numéro Le deuxième deux. Que vous avez consulté Alors, le numéro 2, c'est toi qui l'as vu seul en Italie. Oui, parce que j'ai venu et je viens encore aujourd'hui et tous les week-ends. Donc je n'avais pas la possibilité de fréquenter un sexologue régulièrement. Donc j'ai pris un rendez-vous en Italie avec un sexologue très. Oui, très réputé. J'avais demandé à Paris de me donner des noms. Donc, il m'a dit, mais c'est facile, vous devez seulement penser à votre plaisir et pas au plaisir de votre femme. Vous verrez que la prochaine fois, ça va mieux. Donc, vous avez été revoir votre amie. Voilà, le samedi, je suis chez elle, OK? Toujours très confiante, oui, à moi-même. Et finalement, je suis... reparti en pleurant parce que le temps était terminé. 5 minutes. Voilà. Et finalement, on a changé de sexologue et finalement, on est tombé sur la bonne femme, sur la bonne sexologue. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. C'était difficile. Non, c'était bien parce que j'ai eu tout de suite confiance en elle. D'accord. Ce soir, elle est ici, derrière moi, elle s'appelle Muriel. Et elle est super parce qu'elle est très, très calme, elle avait le courage de me parler comme une sœur. C'est ça de ce que j'avais besoin. En fait, le but pour Gabriel, c'était de le déconditionner de son fonctionnement sexuel. Et donc de repartir à la base, donc pour nous aussi, pour le couple, puisque on l'a fait ensemble, cette thérapie. Donc de repartir là-bas, c'est-à-dire d'avoir une abstinence, de pas avoir de rapport de pénétration pendant 2 à 3 mois. Quelles sont les différentes étapes alors précisément? Voilà. Donc au départ, c'est un peu comme vous avez décrit vous, c'est-à-dire se caresser ou se faire des massages, mais sans toucher les zones érogènes. Puis bon, petit à petit, très progressivement, on peut passer la main sur une zone érogène, mais sans faire une caresse vraiment sexuelle. Après, on peut passer à des caresses sexuelles. Et après, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, on a commencé à faire la première pénétration. La cerise sur le gâteau, en fait. Non, parce vous appelez fait, ça comme ça, si vous voulez. Non, parce qu'en fait, on est en train de faire des exercices avec, en effet, une montre qu'on regarde avec
Encore donc, aujourd'hui avec une montre? Non, mais à l'époque, je veux dire, quand on fait, même quand on fait cette première pénétration, c'est pas un régal parce qu'on est un peu en dehors du désir naturel. On se regarde faire, tout ça, et on se, voilà, on est spectateur de nous-mêmes, donc bon. Mais je crois, 8 minutes, allez, 9, allez. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, avec les standards. Bientôt, vous allez dire 3 jours et c'est elle qui va dire ah non. J'ai mal. Donc aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau de relation sexuelle qui vous satisfait tous les deux? Mais très. Eh bien, oui. C'est bien, Gabriel. C'est marrant pour vous. On va demander à Muriel Bassi-Galoupo. Muriel, de venir nous rejoindre ici. Venez, Muriel. Deux applaudissements, on mettez-vous au milieu, là, pour ne pas blesser. Vous êtes canadienne? Québécoise. Québécoise, sexologue, ouais. Vous travaillez en France, c'est vous qui êtes occupée donc de Gabriel et Marion. Marion. Pourquoi la difficulté sexuelle d'un homme a-t-elle souvent un rapport avec l'orgueil ou avec la fierté? On est toujours dans une société où l'homme doit fonctionner beaucoup sur les performances, sur si ça définit sa masculinité, son identité, alors que la femme, au contraire, c'est... Bon, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la putain. Hein. Il y a encore ce clivage de la putain. L'image de la putain, avoir peur de ressembler à cette image-là. Ah oui, quand on parlait de votre maman. Voilà. Il y a vraiment cette... Non, si vous avez raté les épisodes précédents, la première fois que cette jeune fille a embrassé un garçon donc, et que vous l'avez dit à votre mère, elle vous a dit... Voilà, elle m'a traité de putain. Et quand elle a appris que vous avez couché avec un garçon, elle a pleuré. Ah oui, c'était terrible. Hein. Et nous, en sexologie, on appelle ça le clivage entre la madone et l'anti-madone. C'est-à-dire que la femme bien, la femme respectable, c'est celle qui n'a pas trop de désir, qui n'a pas trop de plaisir, qui ne se laisse pas aller, qui sait se contrôler. Alors que la femme qui est sexuelle et qui l'exprime correspond à la putain. Et encore aujourd'hui, la plupart des femmes que moi je rencontre en consultation sont des femmes qui ont des difficultés au niveau du désir, des difficultés au niveau de l'orgasme et sur le plan de la pénétration, le vaginisme. Et chaque fois, il y a cette image qui revient. Elles me disent, si je me laisse aller, si j'arrête le contrôle... J'ai peur de devenir nymphomane, j'ai peur d'avoir une image irrespectueuse et que mon conjoint me prenne pour un objet sexuel et qu'il ne m'aime plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient, qui est typique de la sexualité féminine. Oui, c'est vrai. Pardon. Moi, je sais qu'une des réflexions que j'ai eues avec mon sexologue, c'était justement, et le jour où je vais accepter la pénétration, est-ce que je ne vais pas aller voir ailleurs? C'était une de mes frayeurs. Il y a tout de suite ce passage où il y a deux extrêmes, comme s'il n'y avait pas une échelle pareil, avec un juste milieu entre les deux. D'accord. Ça peut parler deux secondes de l'éjaculation précoce, parce que selon le rapport Spira qu'on évoquait au début de l'émission, M. Schumann, 15% des hommes éjaculent trop rapidement. Donc ça veut dire avant la pénétration, comme vous nous disiez tout à l'heure, ça peut arriver, ou alors 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 7 minutes 15, 7 minutes 20, 7 minutes 20, 3 jours, non, enfin bref, 7 minutes après la pénétration. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez régulièrement, l'éjaculation précoce? Personnellement, mais je pense que pour la plupart de mes confrères, c'est vraiment notre pain quotidien. Je ne sais pas s'il y a des différences entre le Québec et la France, mais au Québec, on parle même de 30% des hommes qui ont des problèmes, d'éjaculation précoce. Vous savez que là, il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent avec un chronomètre à la main en se disant à partir de combien de temps on n'est plus éjaculateur précoce. Alors, l'important. Ça ne se calcule pas comme ça, mais quand même. L'important, justement. On compte avec un chrono ou avec un calendrier? Surtout pas. C'est pas une question de durée. Il ne faut pas retenir cette question de durée, même si on pose toujours un petit peu la question comme repère. C'est pas une question de durée. C'est vraiment le sentiment de vivre une situation qui nous a imposé, de n'avoir aucun contrôle sur l'excitation, parce que ce n'est pas l'éjaculation qu'il faut contrôler. Une fois qu'elle monte des testicules, qu'elle est déclenchée, vous aurez beau tout crisper, contracter, c'est trop tard. Le réflexe, il est parti. Donc il faut vraiment que l'homme apprenne à jouer avec son excitation, à maîtriser son excitation, et ça bien avant le point donnant retour où l'éjaculation part. Et c'est tout le travail thérapeutique qui est fait, il est fait dans ce sens-là. Et c'est vrai que la plupart des réflexes des hommes, quand ils constatent que c'est trop rapide, alors c'est d'abord d'être complètement soucieux de ce problème, et c'est de se contracter musculairement, et d'être tendu et d'être angoissé, et de chercher justement cette performance. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut se relaxer. Il faut vraiment se détendre musculairement, respirer tranquillement, être centré sur les sensations agréables, se laisser envahir par ces sensations-là, et pas du tout se concentrer sur le problème. Donc tout le travail d'exercice qui est fait d'un côté, qui est fait à la maison, au foyer, et pas dans le bureau du sexologue, je le précise, parce qu'il y a des fois des choses qui sont un petit peu mélangées dans la sexologie. Difficile de dire quelle est la durée moyenne d'un rapport satisfaisant.
Parce que ça inclut, j'imagine, plein de choses, puis chacun son truc, j'ai envie de dire. Mais... Oui, c'est des notions très culturelles aussi. Mais il faut quand même des repères, vous disiez, il y a quand même des repères. Quels sont les repères que vous pourriez donner ? Je pense que les hommes, quand ils me disent si j'arrivais à pouvoir faire durer la pénétration un quart d'heure, 20 minutes, je serais vraiment heureux. Hein, et bon, il y a Gabriel et Marion, il y a des moments où ça a été, à la fin de la démarche, où ça a été beaucoup plus que ça, et c'était au-delà de leurs espérances. Sachant que personne n'est à l'abri de moments où c'est beaucoup plus difficile parce que la journée était difficile, il y a des soucis ou il y a des stress. Mais à partir du moment où ce n'est pas une situation qui est répétée, c'est le lot de toute personne. Sur 10 personnes que vous recevez dans une journée, par exemple, il y a combien d'hommes, combien de femmes? C'est des moyennes, évidemment, je vous demande. Et qui vient, est-ce qu'on vient plutôt en seul ou est-ce qu'on vient plutôt en couple? Beaucoup plus seul qu'en couple, mais il y a même, quand même autant d'hommes que de femmes qui consultent. Et les hommes viennent principalement pour l'éjaculation rapide. Ah bon ? Et les femmes, c'est vraiment pour du vaginisme, le manque de désir et l'anorgasmie. Donc vaginisme, je le répète, c'est impossibilité de pénétrer par contraction musculaire. Voilà, c'est ça. Manque de désir, bon, ça c'est clair. Et anorgasmie, c'est donc ce qu'on appelle la frigidité, couramment. On n'utilise plus trop le terme de frigidité en sexologie. On va parler de... Non, anorgasmie, c'est pas de la frigidité. La frigidité, on l'employait dans le sens de... Absence d'intérêt sexuel et absence de réaction sexuelle. Bah, c'est ce que vous aviez, vous, Mélissa. Bah, oui, mais l'anorgasmie, il y a aussi l'absence d'intérêt sexuel et l'absence de désir. Non, parce qu'il y a des femmes qui ont du désir, qui ont de l'excitation au rapport, mais ça n'aboutit pas à l'orgasme. Et ça, c'est autre chose. On verra tout à l'heure avec vous, Muriel, et avec le docteur Schumann, qu'il existe des solutions, je crois, pour 90% des troubles, d'après les études qu'on a. Mais avant cela, une question fondamentale. Est-ce que vous avez déjà vu des couples qui tiennent sans sexualité, longtemps? Oui. Oui, oui, il y a ce qu'on appelle les mariages blancs, les mariages non consommés. Non, mais je parle des mariages d'amour, moi. Oui, c'est ça. Un mariage blanc, c'est les mariages blancs, c'est le terme sexologique, si vous voulez, pour les gens qui sont mariés, qui vivent ensemble. Ce n'est pas le terme administratif, je peux vous dire. Et qui ne partagent pas, qui n'ont pas de sexualité. Ah bon? Et effectivement, je pense à un couple tout précisément qui ont quand même tenu 10 ans ensemble, et avec une très très bonne entente par ailleurs, d'ailleurs, ils ont intérêt. Parce qu'il n'y a pas la sexualité, alors il faut qu'à côté, il y ait vraiment des choses qui resserrent les liens. Ils s'aimaient quand même. Et ils s'aimaient quand même. Et au bout de 10 ans, ils sont venus vous voir, et alors qu'est-ce que vous avez pu faire pour eux? Disons que c'est le désir d'enfant, le désir de créer une famille, souvent, qui déclenche la consultation à ce niveau-là. Et on a travaillé de deux façons, c'est-à-dire sur l'histoire personnelle, un petit peu du couple, et leur histoire de couple aussi. Parce que c'est important de voir justement dans l'enfance et dans l'adolescence, dans les repères familiaux, sentimentaux et l'éducation sexuelle qui pourrait être à l'origine de cette absence de sexualité chez l'un comme chez l'autre. Et puis il y a aussi des exercices qui sont prescrits en parallèle pour rétablir ou leur faire découvrir une intimité sexuelle avec du plaisir, avec une complicité. Ça a été le cas. Vous connaissez l'échec, parfois ? Il y a eu un petit bébé. Et... Vous connaissez l'échec ? Ça arrive que ça... Oui, ça... Bien sûr. Bien vous aussi, docteur Schumann ? Il y a des... Bien sûr. Ouais. Rocco, vous venez de tourner dans le dernier film de Catherine Breillat. C'est pas un film X, hein. Même si vous avez quand même une scène chaude, je crois. Mais c'était la plus dure scène, peut-être, où j'ai eu mon sexe dehors de ma vie. Ça, c'est sûr. Ça s'appelle Romance, donc c'est pas Romance, un film X, je le répète, ça sortira en février prochain. Vous êtes surtout connu pour l'instant comme étant comédien de film X, vous avez tourné dans plus de 1000 films porno. Vous savez combien de femmes, avec combien de femmes vous avez fait l'amour? Plus ou moins, si on vous met les moyens, il y a des fois je fais des films, avec son fille, avec moi, en Autriche, il y a 10 ans, je fais des films avec 10 filles, 15 filles, 20 filles avec moi, mais je fais aussi des films avec 2 ou 3 filles, donc si on fait moyenne, au moins 3-4 filles par film. Ouais. Et 1000 films, donc. Hein. Ouais, donc, je vous laisse multiplier. Plus ou moins. On devrait s'en sortir. Plus ou moins, c'est ça, ouais. Est-ce que vous faites figure d'expert, forcément? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce que des gens qui ont des petits problèmes sexuels vous viennent vers vous? Je pensais tout à l'heure au monsieur, parce que Gabriel. Parce que c'est quand on a une grosse désir, parfois, ou quand on a des peurs. La même peur qu'il a, le monsieur, je l'ai compris parfaitement, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, d'être avec quelqu'un derrière, peut-être, qui peut me voir ou quelque chose de pareil, et me donne la possibilité d'avoir l'éjaculation précoce. Alors, comment vous faites? Je suis entraîné à ne pas les avoir. Je me suis entraîné comment? On tous les ardeurs. Il n'y a pas un ardeur qui est le champion du monde en ça. Ardeur, ah oui, ardeur. On a tout, un secret. Tout le monde, il a ses secrets. Soit pour bonder, soit pour rester dur, soit pour pas éjaculer. Quel est le secret de Rocco? Au début, non, je veux dire, de tout le monde. Mon secret, c'est de changer les connotations des filles. Pour bonder, changer quoi, les? Tout. Je change la tête, je la regarde. Si elle ne me plaît pas, je lui mets une autre tête. Je lui change tout. Et voilà, je la fais devenir Marilyn Monroe et ça va.
Je pense que je trouve, je trouve que chaque fille, il a des, n'importe quelle femme dans le monde a une partie du corps féminine intéressante. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je focalise sur cette partie-là, je développe que cette partie-là. Ça m'intéresse ça, ouais. Voilà, je reste sur ça. Je dois dire, aujourd'hui, je suis là, je suis devenu Rocco Siffredi et quoi que ce soit. J'étais un mec qui avait le même problème, pas ce point-là, parce que dans la vie normale, je n'avais pas ce problème-là. Mais devant la caméra, j'ai senti toute cette pression. Donc, j'ai eu des éjaculations et tout le reste, mais quand même, j'ai eu la chance d'avoir une autre essai. C'est une coquetterie, Rocco, de dire que vous avez ce problème d'hypersexualité quand vous étiez jeune, ouais. Ou ça a vraiment été un problème pour vous? Non, ça a été un grand problème. Sérieusement? Oui, parce que j'habite à Ortona, une ville de mer, et pendant l'été, donc, j'étais tout le temps dans la mer, j'avais des maillots de bain normales. Et ça a été un grand, grand problème. J'avais, à partir de 13-14 ans, très fort, parce que j'avais déjà le sexe développé comme aujourd'hui, à 13 ans, plus ou moins. Ah, donc, on peut en dire deux mots, d'ailleurs? Non, parce que... plus ou moins, plus ou moins. À 5 J'ajoute, mètres, Rocco, que vous avez l'honneur d'avoir servi de modèle pour un gadget vendu en boutique spécialisée. Ouais. C'est vrai, ça, hein? Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes réputé pour la taille de votre sexe. Combien mesure? Bon, là, quand on a fait ça, on m'a mesuré tout, c'était 24 cm. Oh, vache. Est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes? Ça m'a... Ça calme, hein? Non, ça... Ça vous a déjà posé des problèmes? Trop grand? La réalité, quand on demande à une fille, elle dit toujours, non, c'est trop grand, c'est, ça peut faire mal. Mais quand elle l'a dedans, elle dit jamais, enlève-le. Donc, je sais... Non, je veux dire... Plus ou moins, ça m'a... Ça m'est toujours arrivé comme ça. Ok, non, si on vient adolescent, à qui vous en parliez de vos problèmes d'hyperactivité, d'avoir toujours le désir J'en parlais pratiquement à personne parce que plus ou moins, il a dit des choses réelles. En Italie, on habite avec nos parents jusqu'à longtemps. C'est un peu marier, l'habitude, quoi. Tout comme ça. Non, c'est un peu. Vraiment. Jusqu'à, non, il y a même beaucoup de gens mariés qui habitent encore avec leur famille. Donc, moi, avec ma famille, j'ai eu des parents sublimes, mais pas beaucoup de dialogue au niveau sexuel. C'était comme ça l'Italie, trop l'Église, tout ça, l'éducation, trop. Mais la pire des choses, c'était quand j'étais au Maillot, je connaissais une fille, et cette fille me montrait de l'intérieur, elle m'intéressait. C'était le pire de ma vie. Je voulais me le couper, vraiment, parce que c'était terrible. J'avais des érections, je mettais dans l'eau, elle me disait, mais pourquoi tu sors pas? Oh, comme ça, je vais mettre là dans l'eau. Et parfois, j'ai dû rester 2 ou 3 heures et ça ne passait pas. C'était la fin. En plus, ma femme, elle peut vraiment témoigner ça. Elle est juste la femme de Rocco. Rosa, elle peut témoigner ça, que quand j'ai arrêté d'être acteur, je suis passé de 100 à 120 films par an quand même. Il y a 5 ans, j'ai commencé à produire à 15-20 films par an. Ouais. Et elle m'a dit, les premières 12 ans, c'était incroyable. À partir de 10 heures, à 3 heures de l'après-midi, j'avais le sexe en érection, fixe, sans... On mangeait, on regardait un film de... J'avais le sexe en érection parce que c'était l'habitude à... Je ne sais pas maintenant... Des cadences un du sexologue porno. Peut m'expliquer ça. C'était l'habitude à travailler avec mon sexe tout le temps, tous les jours. C'est possible? J'avais des érections fixes. Sans... Il y a le priapisme, c'est 2 secondes, Rocco. Il y a le priapisme, dont on pourrait dire un mot, ça c'est l'érection permanente. Prolongée. C'est pour ça, c'est possible d'être très 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 souvent en érection, d'être complètement connecté sur la sexualité comme ça à longueur de journée, mais d'avoir une érection continue sur 5, 6, 10 heures, ou une érection qui ne fluctue pas du tout, peut-être demander à l'andrologue, mais ça me paraît difficile parce qu'effectivement, une érection prolongée, au bout de 3 heures, 4 heures, il y a des risques Docteur. De priapisme. Oui, c'est même dangereux, une érection trop prolongée. C'est quoi trop prolongée? Une érection de plus de 3 heures, 4 heures peut présenter des risques. Cet homme est en danger? Ouais. Cet homme est en danger. Nous, on a fait des scènes hard pendant 8 heures, 7 heures, sans pas arrêter avec des orgies, donc ça prenait beaucoup de temps. Et on était tout le temps en érection pour ne pas perdre du feeling. Et ça durait 7-8 heures, hein, sans problème. Donc, je veux dire, bien sûr, c'est dur parce qu'il faut... Ça va mieux? Vous êtes guéri? Ça va. Non, mais sérieusement, vous êtes... Non, là... Parce que ce que nous disent les spécialistes, c'est que normalement, quand on dépasse 4-5 heures d'érection, ouais. On est dans des zones qui sont dangereuses. C'est ça que vous dites? On arrive dans des zones dangereuses, oui. Ouais, pour le boulot, nous, on le fait souvent, ça. Mais drôle, je veux dire, pour le boulot, bien sûr. C'est boulot, ouais. Vous avez déjà eu des pannes sexuelles? Pannes sexuelles, ça m'est arrivé, mais j'ai su prendre, bien sûr, quand on est stressé, quand on a des problèmes psychologiques surtout. Il faut être bien équilibré pour ne pas avoir des pannes sexuelles. Vous avez déjà eu des pannes sexuelles, donc? Bien sûr. D'accord. 10 minutes.
10 minutes ou... Non, j'ai eu des pannes sexuelles, mais ça m'est arrivé de pouvoir. Peut-être le docteur il peut me dire la réalité de ça, d'avoir pris beaucoup de médicaments parce que j'avais une grosse fièvre. Ah oui. Non, antibiotiques, aspirine et tout ça. Et je sentais pratiquement plus de tout mon sexe. Et je commençais une scénarde. Je lui parlais, il ne se levait pas, rien du tout. C'était vraiment zéro. Rien. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Rien. Et pour le sortir, je m'aide. C'est incroyable. Est-ce que les médicaments peuvent avoir des incidences? C'est vrai, les deux choses. Les médicaments, les... Il y a effectivement un certain nombre de médicaments qui ont des effets antisexuels pour ces... Quelle famille de médicaments? Terrible. Certains antihypertenseurs, certains anti-ulcéreux. Il y a toute une série de certains anticholestérol, hypocholestérolémiens. Parce que là, il y a des gens qui ça parle, à mon avis, parmi ceux qui nous regardent. Oui, les anticholestérol, anti-ulcéreux. Anti-ulcéreux, anti-hypertenseurs, certaines familles d'antihypertenseurs, certains médicaments pour le cœur ont des effets qui sont néfastes pour la sexualité. Vous avez déjà eu affaire à des hardeurs, des acteurs de Oui, j'en ai un parmi mes patients. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Son problème, c'est que lui, il n'arrive pas à tenir suffisamment longtemps pour les scènes qu'on lui demande. Ah oui. Donc vous... Comment dire? Vous lui donnez un coup de main? Je lui donne plutôt. Je lui ai appris à se donner un coup d'aiguille. Après, donner un coup d'aiguille dans la. Absolument. Est-ce qu'il y a du dopage dans le cyclisme? Est-ce qu'il y a du dopage dans le cyclisme? Est-ce qu'il y a du dopage dans le X? C'est pour dopage, ça s'appelle ça que je pense que les messieurs, ils utilisent l'injection. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème de. Oui, il y en a beaucoup de garçons. Et les mecs se piquent? Oui. Et le Viagra? Viagra. Donc, l'autre jour, il y a deux acteurs américains, l'autre soir, exactement à Budapest, qui m'ont dit « Rocco, mais tu prends rien. » Moi, j'ai rigolé parce que je lui ai dit « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau médicament ?» Et il m'a dit « Non, on est plein de Viagra là, on a les Viagra, on a je ne sais pas qu'est-ce que, autre chose. » Mais quand même, j'ai vu que même avec le Viagra tout seul, ils n'arrivaient pas vraiment à avoir le maximum. Ah ouais. Et donc, je ne sais pas exactement. Je sais que sur 100%, j'ai utilisé deux, trois fois un acteur pour moi qui marche hyper bien. Je ne comprenais pas pourquoi. Par contre, parce que un an, 12 ans avant, il ne marchait pas du tout. Ah ouais, d'accord. Donc, il se piquait ou alors il prenait du Viagra. Il me disait, vous avez essayé le Viagra, vous? Non, jamais. Non, les piqûres? Non, jamais. Même pour les jours où vous avez des pannes, vous n'avez jamais essayé d'avoir affaire à non. Des... Moi, la seule chose sûre, c'est que je sais tout le temps de le faire sortir. Je connais comment faire, de toute façon, pour le faire sortir. Je le connais très bien. Madame, votre épouse appréciera. J'imagine que vous êtes contente de vivre avec Rocco, puisque vous avez fait un bébé avec lui, c'est votre amour, quoi. Est-ce que c'est fatigant, par ailleurs? Elle parle pas français. Do you speak English, maybe? Non, elle parle pas anglais. Il faut que je puisse le trouver. Elle parle italien. D'accord. Vous parlez italien? Non. Ouais. C'est pas grave. Je peux traduire. Qu'est-ce que peut-être que vous pourriez demander quand même à cette jeune femme si elle a l'impression de vivre avec un phénomène, si parfois trop de sexe peut nuire un peu au sexe ou à l'amour. Mi stai chiedendo se hai l'impressione di vivere con un fenomeno, una persona straordinaria, oppure il troppo sesso ti può dare fastidio? No, perché io ti ho conosciuta a parte privato con me, non sei normale con me. Avec elle, je suis très normal, donc elle n'a pas de tous ces problèmes. Qu'est-ce que c'est normal? Quelque chose est normal? Pour vous, hein? Non, comme comporter à casa, absolument une personne normale. Non si fa sentire che lui fa questo lavoro, una persona conosciuta, perché a casa è tutto naturale, come tutta l'altra, anzi, secondo me, anche. Simplement, en deux paroles, plus normale che. En deux paroles, elle dit qu'à la maison, je suis très normal, très naturel. Elle sait que devant la caméra, je deviens un animal. D'accord. Elle sait vous ça. Vous faites la part des choses entre votre métier. Elle me connaît très bien devant la caméra, je deviens une autre personne. On va parler des pannes maintenant, des pannes qui font peur, des pannes qui finissent par bloquer un peu les hommes avec vous, Charles d'Alberto. C'est donc après votre divorce, vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans, donc vous avez divorcé à quel âge? Il y a 2 ans en fait. Il y a 2 ans, après combien d'années de mariage? Après 10 ans de mariage. Après 10 ans de mariage. Donc c'est après, vous n'avez jamais eu de problème pendant toute la durée de votre mariage? Ah non, pendant 10 ans, vie sexuelle normale, pas très folle, enfin, normale. Vous ne voulez pas dire du... Oui. D'accord, pas très folle, normale. C'est après votre divorce, donc vous avez pour la première fois connu une panne sexuelle qui s'est manifestée comment, dans quelles circonstances? Eh bien, après avoir divorcé, donc m'être séparé de mon épouse, j'ai connu une demoiselle, en fait. Et là, panne. La première fois que vous étiez avec elle? Tout à fait, la première fois, oui. Ouais. Et donc là, effectivement, on a l'impression de tomber dans un gouffre, dans la mesure où on a eu une activité sexuelle normale pendant un ensemble d'années, on a fait des enfants.
tout s'est bien passé. Et là, en fait, devant une femme, eh bien, rien ne se passe. D'accord. Bon, une fois, vous avez vu sur les statistiques que ça arrive à beaucoup d'hommes, oui, quel que soit l'étrange d'âge. Quand ça se reproduit au bout de plusieurs essais, on se pose des questions. On panique beaucoup, en fait. On est vraiment très fort. Et si on a un esprit un peu ouvert, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et donc là, le sexologue, je dirais, intervient. Ça va pas aussi vite que ça. Comment s'est passé bah, vis-à-vis... Ça dépend de sa personnalité. Parlons de vous, alors. Ça a été aussi vite que ça. Moi, effectivement, en une semaine, 10 jours. Ça, vous avez essayé plusieurs fois. Oui, tout à fait, oui. Et la panne s'est répétée, quoi. La panne s'est répétée, oui. Ouais. Donc très rapidement, on s'est dit, il faut un conseil extérieur, ouais. Comme on peut aller voir un psychologue, là. Ouais. Donc on prend le bottin, on regarde les pages jaunes, on en prend un au hasard. Au hasard, oui. Il y avait le désir, vous désiriez cette jeune femme? Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Et peut-être trop, en fait. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit, le sexologue? Enfin, je sais pas, vous avez trouvé un sexologue qui vous a apporté des réponses satisfaisantes, qui vous a aidé? Je retrouve un petit peu le même parcours. Le même parcours. Qu'Isabelle et Mélissa. Oui, qu'Isabelle et Mélissa, dans le sens où ça se passe progressivement par étapes. Et la première chose, c'est surtout enlever l'objectif. Plus de contraintes, plus de pression, plus rien. Que apprendre à ressentir du plaisir, mais surtout sans objectif. Pas de pénétration, rien du tout. Pas d'éjaculation. Non, non, tout d'accord. À fait. Ouais. Donc, par étapes, on apprend à découvrir l'autre, on apprend à respirer également. C'est un terme que j'ai retenu dans votre. C'est-à-dire contrôler son corps le mieux possible, oui. Ça passe par la respiration. À se détendre. Oui. Et au bout de combien de rendez-vous vous avez eu des résultats? Moi, c'est passé assez rapidement, en un mois et demi, tout s'est repassé, tout est devenu normal, en fait. Ah, oui. Donc vous avez eu cette privation, entre guillemets, des rapports sexuels par le sexologue pour redécouvrir le plaisir d'être avec l'autre, ça, sans les objectifs que vous fixiez, exactement, etc. Exactement, oui. Ouais. Et après, progressivement, il y a des caresses sexuelles, puis pénétration, et ensuite et ça se repasse, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé, alors? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'en fait, j'avais trop d'objectifs et un problème par rapport au désir, en fait, par rapport au plaisir dans l'absolu, en fait. C'est vrai que l'éducation qu'on peut recevoir ne nous apprend pas forcément, effectivement, à mettre au centre de notre vie, du moins de manière importante, le plaisir. C'est d'abord, il faut travailler, faire des études, il faut gagner de l'argent. Est-ce qu'il n'y avait pas la culpabilité aussi de se dire, c'est pas, certes, je suis divorcée, mais c'est pas ma femme, c'est une autre femme? Après 10 ans, je sais pas, j'imagine, après 10 ans de vie commune. Il est sûr qu'à l'époque, ça m'est arrivé, en fait, j'avais pas encore fait le deuil de mon mariage, en fait. Donc ça s'est mélangé, en fait. Et la chance que vous avez eue, c'est de consulter très vite. Et c'est parce que vous avez consulté très vite que vous avez pu vous en sortir très vite. Oui, mais c'est également une chance qu'on se donne. Je veux dire, c'est pas une chance qui vient. Absolument. Mais c'est aussi un très bel exemple. Et c'est vrai que c'est toujours dans ce type de situation où il y a une situation soit conflictuelle, une situation anxiogène, ou alors ce qu'on appelle le surinvestissement de la partenaire. On a une partenaire extraordinaire, on a envie de faire ses preuves, qu'on en fait trop. Et quand on connaît maintenant la physiologie de l'érection, on comprend très bien que les mécanismes et les situations dans lesquelles ça peut se produire. On sait par exemple que quand on est angoissé, on va sécréter une hormone qui est la noradrénaline, c'est l'hormone du stress. On la connaît bien, puis c'est celle qui donne les palpitations cardiaques, qui fait monter la tension. Et cette noradrénaline empêche l'érection. Et donc si on arrive à retrouver, et c'est notamment le travail des sexologues, de retrouver ce calme intérieur, cette sérénité, de ne pas chercher cette performance à tout prix, on arrive à maîtriser, à faire diminuer ce tonus anxiogène et à retrouver un fonctionnement beaucoup plus normal. Ouais, c'est intéressant. Vous disiez aussi, je pense que tout le monde l'a entendu, que plus on attend, plus c'est difficile, puisque moins on attend, moins ça l'est, c'est ça? Absolument. Ah oui. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les traitements avec les sexologues sont extrêmement onéreux. Et que c'est absolument pas remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a peut-être que 10% des gens qui ont des problèmes qui se traitent, mais il y a peut-être énormément de gens aussi qui ne peuvent pas s'offrir une thérapie. Combien coûtait la consultation? Entre 400 et 500 francs. Alors vous imaginez ce que ça coûte chaque semaine. Combien de consultations vous avez eu? Environ une par semaine. Pendant combien de temps? Pendant 4-5 mois. Ouais, et ma sœur, la même chose, pendant un an. Donc c'est horriblement... Entre 1 et 2 millions de centimes, quoi. C'est horriblement onéreux et il faut pouvoir aussi s'offrir la possibilité de guérir. C'était aussi cher que ça pour vous aussi? C'était dans ces prix-là, ouais. Oui. C'est aussi cher que ça, Muriel? Non. Pas chez vous? Non. Pas chez Muriel? Désolée. Tous chez Muriel, pardon. Je peux simplement dire. Oui, Jean-Marc, on vous entend, hein, je pense. Oui, pour ma propre expérience, je pense que c'est une thérapie de luxe, en fait. Qu'est-ce que c'est une thérapie de luxe? La simple sexologie qui consiste à dire pratiquement à
90%, 95% vous ne cherchez pas, c'est toujours dans la tête que ça se passe et pas ailleurs. On vous l'a dit longtemps ? Des années. Ouais. Pour un problème d'impuissance chronique hein, que vous aviez, vous. Psycho-organique. Oui, dans la chronique. Oui, toujours. Tout le temps. Que je sois avec une jolie femme ou avec une moins belle, bon, c'est sûr que j'avais beaucoup plus envie d'être avec une jolie puisque c'est transcendant d'être avec un très joli corps. Mais c'est pas pour ça que j'avais autant de... J'avais du désir, mais j'avais pas de résultat. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez eu des enfants quand même. Donc c'est, à chaque fois, ça suscite beaucoup d'interrogations. On se demande comment vous avez eu des enfants si vous n'avez pas eu d'érection pendant plein d'années. Par une technique bien simple, c'est masturbation, pénétration. Au moment où l'éjaculation arrive. Enfin, on sait que la durée de vie du spermatozoïde est d'environ entre 12 et 24 heures. Donc s'il y a masturbation et pénétration ensuite, il pourra vivre et il pourra, grâce à la glaire interne du vagin, pouvoir trouver le chemin de la vie. D'accord. Alors vous, c'est après votre divorce que vous avez réussi à résoudre votre problème, contrairement à Charles, qui a eu un petit souci juste après son divorce quand il a rencontré une autre jeune femme. Vous êtes toujours avec cette jeune femme ? Excusez-moi, c'est peut-être hors sujet, mais... Oui, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Il faut me remettre dans le chemin. Monsieur, c'est après votre divorce que vous avez résolu votre problème. C'est après la séparation, parce que bon, j'ai eu un divorce assez... Ou après la séparation, pardon. Un divorce assez difficile. Juste après la séparation, donc me sentant un peu plus libre et n'ayant pas cette chape sur moi, parce que j'avais toujours l'impression pratiquement qu'elle était toujours là, puisque je n'arrivais pas à communiquer avec elle sur ce sujet-là. On arrivait à communiquer sur les problèmes de vaisselle, de est-ce que tu as fermé le gaz ? Oui, ça marchait très bien. Mais dès qu'on abordait ce sujet-là en privé, il y avait, c'était un mur, parce que bon, je pense que c'est dans son éducation. C'est-à-dire que vous-même qui vouliez aborder le sujet, elle ne voulait pas en parler ? Pour elle, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème ? Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes resté marié dans combien de temps ? 20 ans. Comment ça s'est arrêté ? Comment vous êtes séparés ? Disons que la sexualité qui n'existait pas dans le couple, ça n'a pas été le moteur. C'est un ensemble de choses qui ont fait que, parmi cet ensemble de choses, la sexualité, pour moi, en prenant une très grande place, je ne sais pas, il y a eu un moment, ce déclic qui a dit « bon, j'arrête parce que je ne peux plus continuer comme ça ». Il y a eu cette réunion de famille dont vous nous aviez parlé qui était un moment terrible, très, quoi. Très, très dur, oui. Pas mal de temps avant la séparation, quand même, au cours d'un repas de famille, elle a lancé à la cantonade que j'étais impuissant. Ça a jeté un froid, quand même, un petit peu. Moi, je me suis senti un petit peu humilié, voire dégradé. Il y avait qui autour de cette table ? Notamment mes frères. On était une dizaine à table. J'ai encaissé le coup, c'est sûr, mais c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Pas du tout, Jean-Marc, vous n'avez jamais eu d'érection jusqu'au moment où vous avez découvert les piqûres dont on va parler ? Si, ça arrive. Quelquefois, la nuit même, ça me réveille. Ça me gêne un peu la nuit. Bon, j'arrive à m'endormir. Le matin, quelquefois aussi. Psycho-organique, une impuissance d'origine psycho-organique, ça signifie quoi ? Alors, psycho-organique, bon, la partie psycho, c'est à l'âge de 6 semaines, ma mère m'a abandonné. Bon, moi, elle est partie. À 9 ans, c'est les mains attachées au dos de son lit, à la tête de son lit, parce que on découvre sa sexualité. On a quelque chose qui nous pousse entre les jambes. Tiens, c'est marrant. Bon, ça fait un élastique, c'est sûr. Le côté organique, c'est à 18 ans un accident de sport, parce que j'ai eu une torsion des testicules, quelques accidents de voiture qui n'ont pas dû certainement arranger les choses. Par la suite, avec l'âge, le cholestérol, le tabagisme surtout. Jean-Marc, donc psycho-organique, on a compris d'où venaient vos troubles. Comment vous avez... le jour où vous vous êtes piqué pour la première fois avec de la papavérine ou assimilée, C'est un mélange de papavérine et de trivastal. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, docteur Schumann ? Tout c'est ce qu'on appelle des drogues, mais ce n'est évidemment pas de l'héroïne. On utilise beaucoup le terme américain. Hein, des drogues, avec DRUG. Ce sont des vasodilatateurs, c'est-à-dire des produits qui vont dilater les vaisseaux, faire relâcher les muscles à l'intérieur de la verge pour permettre au sang de gonfler la verge. Ouais. Ils sont tous de la même famille, que vous soyez la papavérine, la phentolamine, le trivastal, la prostaglandine. Alors, l'érection vient en combien de temps ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, d'accord. Ok. Est-ce que les psychologues ont su vous aider aussi au cours de... Non ? Vous n'avez pas eu beaucoup de chance avec les psychologues ? Justement, j'ai entendu pas mal de psychos, de sexo ce soir. Enfin,
pas mal, disons, pas mal de témoignages. Comme je disais tout à l'heure, c'est une thérapie de luxe parce qu'effectivement, chaque séance me coûtait entre 500 et 1000 francs. Oui. J'ai perdu beaucoup de blé là-dedans. J'ai perdu pas mal de blé, oui. Et sans qu'on vous dise qu'il puisse y avoir en plus de la raison de psychologique, une raison organique. Oui, non, c'est-à-dire qu'on vous laisse toujours entrevoir le fait. Enfin, disons que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des sexologues avec plaques sur rue. Vous avez eu des cachets ? Non, j'ai eu des... Bon, quand vous êtes face à votre problème vous dites, bon, il faut que je m'en sorte... Bon, ben, vous tapez un petit peu partout et vous prenez ce qui vous tombe sous la main. Mmh. Bon, je prends un gratuit, style Paris Boum Boum et autres. Problème de santé, pas d'éjaculation, pas d'érection. Bon, vous précipitez. Et avant toute chose, bon, ben, c'est 2500 francs, c'est une cassette sur les oreilles. Enfin, bref, c'est. Ouais, beaucoup d'arnaques, beaucoup de bruit pour rien. Il y a beaucoup d'arnaques. Je veux qu'on vienne sur le mot de la puissance. Oui, Françoise. C'est le professeur qui voudrait intervenir. Je ne suis pas du tout opposée au fait qu'il y ait des sexologues, au contraire, et des psychologues pour aider les gens. Mais je pense que l'éducation est très mal faite, spécialement chez nous. Et je pense que les enfants sont chez nous, très... les femmes, vous voulez dire ? Non, chez nous, en France. Ah, chez nous, en France. Les femmes, on en parlera après. Ouais. Je pense que, bon, il y a de l'éducation sexuelle. Alors, on apprend aux gosses ce qui se passe dans leur corps, puberté, principaux bouleversements. On leur apprend à se garantir contre une grossesse, contre des maladies sexuellement transmissibles. Le sida fait très peur, le spectre du sida, donc on en parle beaucoup dans les collèges, mais on évite soigneusement la notion de plaisir. On n'a peut-être pas besoin de leur apprendre à se faire plaisir, c'est quelque chose d'inné, mais le fait de passer toujours sous silence ce plaisir-là, cet aspect de la sexualité, ça engendre le tabou. Et ce que les gens apprennent d'abord chez un sexologue, et ça c'est très étonnant, c'est des choses qu'ils devraient savoir d'une façon tout à fait innée ou qui auraient dû être encouragées en eux, c'est qu'ils ont une sexualité d'abord solitaire, et faire la connaissance de quelqu'un et vouloir partager ça avec ce quelqu'un, c'est l'inviter dans sa sexualité, s'inviter aussi dans la sienne, faire en sorte qu'il nous montre ses trucs, qu'il nous montre comment il a du plaisir, comment il peut parvenir au plaisir. Et on a l'impression que les étapes sont complètement sautées et que il y a une culture qui nous fait beaucoup de tort. Et cette culture, c'est pénétration à tout prix. Oui. Le rapport sexuel épanouissant par excellence, c'est pénétration, pénétration. Oui. Et pénétration longue, on parle d'un quart d'heure, etc. Oui. Mais il y a des gens qui sont complètement différents les uns des autres. Et ça, on ne le dit jamais assez. J'ai vu des troubles sexuels à propos des femmes. On dit vaginisme, on dit anorgasmie. On ne dit jamais qu'il y a des femmes éjaculateurs précoces ou éjaculatrices précoces. Bien sûr, elles n'éjaculent pas. Mais les femmes qui jouissent trop vite, ça existe aussi. Et ça, déjà, rien que de le dire à un homme, ben, ça peut être une grande découverte. Mais personne ne le dit jamais. Ouais. Personne ne le dit jamais. Une femme peut très bien ne pas avoir envie de pénétration. Mais ça, personne ne le dit jamais. Il y a des plaisirs, et ça a été évoqué, d'autres plaisirs. On trouve des ersatz, on trouve des trucs. Il y a des tas de gens qui ont une sexualité sans pénétration. Il y a des normes. Alors on dit, un éjaculateur précoce, mon Dieu, 5 à 7 minutes. Mais j'aurais été très heureuse avec Gabriel dans une voiture avec 5 minutes. Moi, ça me suffit largement. Mais ça, les bonnes femmes ne le disent jamais. Je crois qu'il faut apprendre. Et nos amis italiens ont un grand naturel pour parler de ces choses-là. Il faut apprendre à parler de ces choses-là avec beaucoup de naturel. Et je les en remercie. Quand on parle de cul, passez-moi l'expression, souvent, ça dérape dans le grivois, dans le salace, le sous-entendu. Mais ça n'est jamais une franche conversation, comme on pourrait évoquer des recettes de cuisine, par exemple. Jamais. Il y a un défaut d'éducation, là. D'accord. Je voudrais rebondir sur une ou deux choses. Oui, je vous en prie, monsieur Chouin. D'une part, peut-être pour rassurer certaines personnes à propos de la torsion du testicule. Ah oui, parce que c'est quand même quelque chose qui est fréquent, qui arrive à pas mal de jeunes. C'est une urgence chirurgicale, il faut l'opérer très vite. Si on opère au-delà de 3 heures, on risque de perdre le testicule. Mais le fait de détordre ou de perdre le testicule, d'abord il en reste un autre, de toute façon ça n'a rien à voir avec le fonctionnement érectile. Oui, j'entends bien. Mais... ça ne rend pas impuissant, moi il faut le dire pour rassurer nos téléspectateurs. Oui, voilà, mais qu'est-ce qu'on risque alors? Mais vous parlez de 98, ça s'est passé en 68. La physiologie était la même, ça ne rend pas impuissant de perdre un testicule, ou a fortiori, si on peut le conserver et qu'on opère assez vite, de le remettre en place. Moi, je peux vous dire, j'ai donc fait pour rassurer les gens. Trois jours d'observation ça d'hôpital, c'est tout. Ça vous provoque un choc psychologique, c'est possible, mais ça ne rend pas... Il n'y a aucune explication physiologique pour dire que vous êtes... Mais comment ça peut arriver, une torsion des testicules? Ben, c'est un petit ligament qui manque, le testicule est mal accroché, mais peut tourner sur lui-même. Comment on peut se tordre le testicule comme ça, à ce moment-là? Ah ben ça, en général, on ne le fait pas exprès, mais ça peut survenir même pendant le sommeil. Ah, et, pas forcément pendant un rêve érotique. Très bien. On va parler un petit peu de... chez les très jeunes, vous pouvez dormir tranquille. D'accord, je suis très vieux. Bon, allez. On va parler des problèmes mécaniques avec vous, M. Schumann, reportage qu'on a tourné dans votre cabinet d'ici quelques instants. Juste avant, un petit point d'histoire, c'est assez instructif et assez amusant avec Franck Spengler qui est avec nous quelque part. Où est-ce que vous êtes, Franck?
Bonsoir. Là, bonsoir, bienvenue parmi nous. Vous êtes éditeur, vous êtes historien de formation, vous êtes éditeur. Aujourd'hui, vous travaillez sur l'histoire de la sexualité. Comment on connaît les grands troubles sexuels des grands personnages? J'ai cité Henri IV tout à l'heure qui disait, soi-disant, jusqu'à 40 paradoxalement, ans. Paradoxalement, l'histoire, un peu comme le sondage, on a un problème de source, parce qu'on n'a pas des sources très fiables. C'est-à-dire, on part du 1er siècle après Jésus-Christ, Suétone, la vie des 12 Césars, qui lui a beaucoup étudié ces déviances sexuelles, puisque là, il parlait de déviances, notamment en la personne de Néron, de Caligula. Juvénal nous parle un peu de Messaline dans ses folies sexuelles, c'était une hypersexualité. On a quelques éléments sur l'impuissance de Louis XVI, mais peu de choses et pas de certitude. Et puis surtout, l'historien a souvent caché cette partie des choses. C'est en train de changer. Bon, on a l'affaire Clinton là, qui est une forme, enfin on peut dire, d'hypersexualité. Et le problème pour aborder ce sujet pour l'historien, c'est d'avoir des sources fiables. Alors, parce que souvent, on a utilisé la sexualité des puissants pour les dénigrer. Bon, la grande Catherine II, par exemple, de Russie, dont on attestait, et qu'on a quelques sources là, qui étaient vraiment une hypersexuelle. En revanche, on n'a rien sur l'éjaculation précoce. Ce n'est pas des choses qui étaient dites, que les historiens exploraient, c'est une question qui ne se posait pas. Et c'est dommage parce qu'effectivement, les comportements sexuels influent forcément sur les comportements des puissants. Forcément. Dans la série Ces grands malades qui nous gouvernent, y compris dans le sens le plus positif qu'on peut trouver dans la sexualité, l'hyperactivité sexuelle, à part Catherine II, vous parlez de Cléopâtre également? On avait Cléopâtre, effectivement, que l'on appelait bouche somptueuse, par exemple, bouche somptueuse, c'était une grande fellatrice qui adorait ça et qui aurait, dans une nuit d'orgie romaine du temps de sa relation avec César, contenter une centaine de nobles romains pour faire une sorte de concours. Donc voilà. On est dans des hypersexualités. Et plus près de nous, et son papa géographique. Son grand-né ne la gênait pas, non, visiblement. Voilà. Bah, plus près de nous, on a le cas de Kennedy où Hoover, le patron du FBI, avait un dossier accablant sur lui. Il avait un dossier sur tout le monde, Hoover. Voilà, il avait un dossier sur tout le monde. Mais lui, effectivement, qui était avait une hypersexualité, qui passait son temps. Alors lui, qui ne s'est pas fait prendre, comme Bill Clinton. Dans les présidents américains, paradoxalement, on parle d'une sexualité assez débridée d'Elano Roosevelt. Qui, en dépit de son invalidité liée à sa polio, aurait eu une sexualité absolument... Et plus près de nous, et cette fois-ci, mais géographiquement, vous voyez. Géographiquement, mais c'est pareil. Alors, il y a toujours les on-dit, les on-sait, mais on ne dit pas et on n'écrit pas. Et puis l'historien, pour écrire et dire, il a besoin de traces, de sources. De sources et concordantes, de préférence. On a un président qui était un homme à femme. Bon, un président. Celui juste avant récent décédé. On a un de nos hommes politiques... où l'on entend dire, mais l'historien ne peut pas l'utiliser, que l'on appelle Monsieur 5 minutes douche comprise, par exemple. Bon. Monsieur 5 minutes douche comprise. L'addition est libre d'or. C'est encore pire que Gabriel. Ouais. Mais, si vous voulez, l'historien a du mal à s'appuyer là-dessus, parce que c'est souvent des sources de dénigrement. Alors, on peut dire, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est vrai que parfois il y a de la fumée sans feu. Bon, François Mitterrand était soit un homme à femme, je crois que c'est un grand séducteur, ça, en tout cas, c'est sûr. Un séducteur et un homme à femme, bon, c'est connu. Mais de là à ce que son trouble sexuel ait eu une incidence sur sa politique, l'historien ne peut pas le dire. Parce que souvent, on parle. Oui. C'est ça qui serait intéressant de voir, parce que si ce soir on parle des troubles sexuels, c'est pour voir si justement des gens qui sont soit hypersexués, soit qui sont frustrés dans leur vie amoureuse, ont gouverné différemment de par ce fait. On a souvent évoqué ce besoin hégémonique d'Hitler par son impuissance qui était avérée. C'est Eva Braun qui en parlait de ça. Voilà, c'est Eva Braun. Göring, lui, était priapique, par exemple. C'était assez amusant. Et d'ailleurs, Hitler était impuissant, vous pensez vraiment? Voilà, et on expliquerait, mais là encore, c'est Léon dit, puisque la source manque, on expliquerait le rejet de Göring par Hitler de ce fait de ce priapisme par rapport à cette impuissance. Bon. Mais bien évidemment, ça me paraît impensable que ça n'ait pas eu une influence sur leur gestion des affaires, bien évidemment. Je vous remercie, monsieur. On va maintenant partir d'accord. Sur le quotidien du médecin, urologue ou andrologue qui reçoit des hommes exclusivement dans votre cabinet, vous ne recevez que des hommes ou vous recevez des femmes également? Quand je fais de l'urologie, je reçois des hommes et des femmes. Quand je fais de l'andrologie, je reçois surtout des hommes, mais parfois leurs partenaires les accompagnent. Voilà, ils peuvent venir en couple. Donc, dans des cas très précis, la médecine peut résoudre les problèmes sexuels, un certain nombre de troubles sexuels. C'est le cas, par exemple, pour les problèmes d'érection chez les hommes. C'est le cas également pour les problèmes d'éjaculation. Vous aidez à mieux contrôler, j'imagine?
Oui, mais c'est plus le travail des sexologues. C'est plus le travail des sexologues, c'est plus un travail dans la tête cette fois-ci, enfin, psychologique. Pas seulement dans la tête, mais... Oui, pas seulement. Pour les femmes, la recherche est moins avancée. Il existe quand même des tentatives pour comprendre les dysfonctionnements mécaniques féminins. Alors là, je ne parle pas de dysfonctionnement psychologique. Hein. Vous parlez beaucoup de votre maman au début de cette émission. Je parle vraiment des dysfonctionnements organiques. Il semblerait que là, la science soit en train de faire beaucoup, beaucoup de progrès. On va en parler tout à l'heure d'ici quelques instants. Voici d'abord le reportage chez vous, docteur, et chez l'un de vos confrères de Lyon. Le reportage de Christian Catala. Si vous voulez bien vous asseoir. Quand on subit ce genre d'histoire, c'est vraiment dégradant. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Si je m'en sors? Si je m'en sors pas? Qu'est-ce que je fais? Je passe sous le train ou je me pends ou quoi? Et puis, bon, à partir du moment où l'érection a commencé à reprendre, automatiquement, j'ai dit, ça y est, ça commence à repartir. Et puis, j'ai dit, bon, ben, on est sur la bonne voie, quoi. Il y a quelques mois, et pour la première fois de sa vie, cet homme venait confier à un médecin ses problèmes sexuels. Seul un dixième des hommes qui souffrent de tels troubles font la démarche de consulter un spécialiste. Depuis plus de 20 ans, le professeur Lavoisier s'intéresse à la mécanique du dysfonctionnement sexuel. Pour évaluer le degré de difficulté d'érection de patients comme celui-ci, il a mis au point des systèmes de mesure très particuliers. Je vais regarder comment fonctionnent vos nerfs entre le pénis et le cerveau. Je vais mettre des petites électrodes sur le crâne qui vont donc recevoir le signal que j'envoie au niveau du pénis. Ça permet de vérifier s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des fibres sensitives du pénis. Dites-moi si vous sentez quelque chose sur le pénis. Ça commence. Ok, parfait. Bien. En fait, si vous voulez, on croit communément que c'est le cerveau qui commande l'érection. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cerveau sert en permanence à inhiber l'érection. Si on n'avait pas de cerveau, on serait toujours en érection. Alors on mesure le temps que met l'influx nerveux à partir du pénis à aller jusqu'au cerveau. Là, c'est 41 millisecondes, ce qui est tout à fait normal. Donc le but de cet examen maintenant est de mesurer l'activité électrique des muscles du périnée qui jouent un rôle majeur dans la rigidité du pénis. Voilà, alors on va mettre le micro. En permanence, je vous non. Qu'est-ce qu'on entend là? C'est le bruit du muscle. Lorsque le muscle se contracte, il provoque une activité électrique que l'on enregistre. Voilà. Il y a certains patients pour lesquels ça ne marche pas du tout. Et alors là, ça veut dire pas d'érection? Ça veut dire pas d'érection rigide. Parce qu'en fait, c'est la composante musculaire de l'érection qui permet simplement la rigidité du pénis. On peut avoir un gonflement du pénis, mais on n'aura pas une rigidité suffisante. Voilà, installez-vous. Les troubles majeurs, vous avez les troubles de l'érection, bien sûr. Vous avez les troubles de l'éjaculation, qui peut être le plus souvent trop précoce, ou en tout cas mal contrôlé. Parfois tardive, parfois absente, parfois peu vigoureuse. Et puis vous avez les troubles du désir sexuel, qui sont évidemment plus d'ordre psychologique ou hormonal. Donc il est intéressant d'avoir au moins un minimum de bilan hormonal quand on explore une dysfonction sexuelle. Je vous ai examiné, il n'y a pas apparemment de troubles organiques majeurs. Donc on devrait pouvoir trouver des solutions. Simplement, il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin et essayer d'enregistrer la réaction des corps érectiles à une injection qu'on fait à l'intérieur de la verge, qui est une injection pratiquement indolore, et qui fait réagir la verge. Donc on va faire un petit cours d'anatomie. Alors, vous avez reconnu cet organe. C'est un organe donc, sur lequel vous avez le gland et puis la verge elle-même. Vous avez une zone qu'il faut éviter de piquer, qui est ici figurée en bleu. En revanche, les corps érectiles sont les deux tuyaux blancs qui sont représentés de part et d'autre, un peu comme un canon de fusil. Donc il faut piquer bien perpendiculairement et aller au fond jusqu'à l'extrémité de l'aiguille. Voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va aller en salle faire l'injection. Donc, on pique doucement, c'est pas la peine de piquer comme une brute, comme pour une intramusculaire. Voilà, donc avec cet appareil, on va mesurer les constantes de l'érection.
On met les deux bagues autour de la verge, l'une à l'extrémité, l'une à la base. Et ensuite, on va brancher l'appareil qui va serrer, qui va enregistrer les événements érectiles qui vont se produire. Les données vont être enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Mais là, l'érection, elle se fait automatiquement ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Elle peut se faire tout à fait automatiquement si on met une dose forte, ce qui n'est pas le cas. Là, j'ai mis une dose moyenne. Elle peut ne pas se produire. Il faut reconnaître que le cabinet médical et la présence de l'appareil d'enregistrement ne sont pas quelque chose de très érotique. Si l'enregistrement est bon, on pourra en conclure que les organes sont là pour fonctionner normalement. Et donc que c'est dans d'autres directions qu'il va falloir fouiller pour trouver les possibilités de l'aider. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la psychologie, les hormones. Actuellement, mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on sait qu'on pourra l'aider avec les injections, puisqu'apparemment, il a une réaction positive à l'injection. Et donc, il pourra tout à fait réaliser ses injections lui-même, selon un protocole et une surveillance épisodique. Ce qui lui donne une très bonne autonomie et la possibilité de reprendre le dialogue sexuel à l'intérieur du couple. Depuis plusieurs mois, ce patient qui souffre d'impuissance se fait tout seul une injection avant chaque rapport sexuel. Bien, alors maintenant, on va attendre un petit peu que l'érection se produise. Mais en plus de ce traitement, chaque semaine, il se rend à une séance de kinésithérapie très particulière. Donc ça sert à muscler le pénis, c'est ça ? Ça sert à stimuler électriquement. C'est ce qu'on appelle de l'électrostimulation, c'est tout à fait classique. Les kinésithérapeutes font ça quotidiennement. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de patient qui fait donc des contractions volontaires pour renforcer ces muscles-là. Vous voyez que petit à petit, sa pression, vous voyez, on voit très bien ici, augmente progressivement. Ça vous aide les exercices que vous faites ici, de musculation ? De musculation, oui, naturellement, oui. Et puis, que je fais tous les jours, d'ailleurs, à la maison. Tous les jours, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, des contractions musculaires du sexe pour durcir, pour raffermir les muscles sexuels. C'est ce que vous m'avez expliqué, docteur. Et là, bon, ben, automatiquement, je m'astreins, enfin, c'est façon de parler encore, à 400 contractions par jour. Et puis, plus les piqûres, automatiquement. Bon, maintenant, ça marche pratiquement normalement, point de vue érection. Plus maintenant, comme à 20 ans, hein, de toute façon, on ne peut pas. Mais ma femme, à mon avis, elle me dira, elle retrouve exactement les mêmes sensations. Oui. Oui, c'est vrai, oui, oui. Rares sont les femmes qui viennent consulter les sexologues. Le professeur Lavoisier fait figure de pionnier en matière de dysfonctionnement sexuel féminin. Selon lui, les problèmes d'orgasme de cette femme peuvent venir de problèmes purement physiques. Alors, dans un premier temps, c'est un appareil qui me permet de mesurer la pression provoquée par les muscles placés autour du vagin. Et on sait que ces muscles vont jouer un rôle très important dans l'aptitude à l'orgasme. Vous contractez fort et vous essayez de tenir bien la contraction. Tenez. Relâchez. Normalement, vous devriez monter au moins à 40. Donc, on peut dire déjà que ces muscles du vagin ne sont pas suffisamment forts. Elle aura besoin d'un traitement au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'on pourra lui faire des exercices musculaires. Donc, vous allez devoir venir ici très régulièrement. Vous ferez des exercices pour renforcer vos muscles. Je suis convaincu que la femme a autant, voire plus, de pathologies physiques que l'homme. À ce jour, il existe beaucoup plus de solutions mécaniques pour l'homme que pour la femme. Lorsque ni les piqûres ni la rééducation ne peuvent améliorer l'érection, les hommes ont encore une solution, c'est la prothèse. C'est le cas de cet homme. En plus, il ne peut rien attendre des médicaments du type Viagra. Alors la prothèse, l'implant se trouve dans la partie rouge foncé, qui est le corps caverneux. Alors à l'intérieur, on a mis deux fois un objet comme celui-ci. On fait varier la longueur qui est adaptée exactement pendant l'intervention à la longueur du corps caverneux. Et puis avec un tuteur malléable qui permet d'avoir cette modification d'orientation. En fait, monsieur est toujours en érection et il peut mettre son sexe dans n'importe quel sens, c'est ça, si je comprends. Il est toujours en semi-érection et peut orienter sa verge dans le sens qui lui convient selon ce qu'il a à faire.
Vous avez testé, monsieur, ça marche bien? Tout à fait, oui. Ça marche bien. Vraiment, oui, oui. Tout à fait satisfait. Hein. Vraiment, ça. Ça donne toute satisfaction ainsi qu'à ma compagne. Bien, monsieur. Bien. Au revoir, docteur. Bonne soirée et si j'ose dire mes hommages à madame. Non, mais... pas. Si j'ose dire mes hommages à madame, docteur Schumann, eh bien. Le reportage de Christian Catala. Juste un point technique, docteur Schumann, sur les composantes de l'érection, si je puis dire. Donc, je pensais que c'était uniquement le sang qui provoquait, l'afflux du sang qui provoquait l'érection, mais visiblement le muscle travaille aussi, a son rôle à jouer. Parce que vous avez un patient qui fait des pompes. Oui, enfin, pas faire comme l'histoire du Belge au Bois de Boulogne qui fait des pompes et le monsieur passe et lui dit, vous savez, la dame, elle est partie depuis longtemps. Hein. Non, c'est pas le... Ça, c'est un autre phénomène. C'est un petit peu marginal, je dirais, cette histoire de rééducation. C'est intéressant, mais marginal, c'est-à-dire qu'on peut, on peut renforcer les muscles qui se trouvent autour des corps caverneux, c'est-à-dire des corps érectiles, de façon à les comprimer et à augmenter la pression à l'intérieur. Donc ça contribue c'est à un petit, c'est, voilà, c'est un petit complément. Mais c'est surtout le sang qui provoque l'afflux du sang qui provoque... Alors, c'est pas seulement le sang, c'est assez complexe. Hein, parce qu'il y a le sang, il y a des muscles qui sont des muscles non volontaires qui sont à l'intérieur de la verge et qui doivent se relâcher. C'est eux qui font, quand ils sont contractés, qu'en temps ordinaire, on est plutôt pas en érection. D'accord, donc plus on est contracté... Alors, plus on est contracté, moins on est en érection, quand on a froid, quand on a peur. Ouais. Et plus on est décontracté, plus ces muscles acceptent de se relâcher. À ce moment-là, le sang peut entrer. Et alors le signal qui fait démarrer ce mécanisme est transmis par des nerfs, qui sont les nerfs érecteurs, et les terminaisons de ces nerfs fabriquent des substances qu'on appelle des neuromédiateurs qui vont déclencher l'ensemble du mécanisme. D'accord. Ces neuromédiateurs sont eux-mêmes sécrétés sous l'influence soit de stimulation locale, alors ça fait un réflexe, ou bien de stimulation cérébrale. D'accord. Ça fait combien de temps qu'on peut parler ouvertement comme ça de problèmes sexuels? Bon, depuis ma naissance pratiquement. Non, c'est vrai? Oui. Vous avez l'impression qu'on peut en parler facilement autour de soi? On peut en parler très facilement autour de soi, oui. Ouais. On devrait en parler plus facilement. Est-ce que les gens consultent de plus en plus en cas de problème? Est-ce que l'information circule? Non, pas encore. Je pense qu'avec le Viagra, les gens consulteront plus. Quels sont les troubles qu'on sait le plus facilement soigner? Des troubles qu'on sait le plus facilement soigner. Disons qu'il y a des cas qui sont tout à fait caricaturaux, comme les impuissances qui sont liées à des maladies ou à des interventions chirurgicales. Quand on opère un homme... Il n'y a plus de sang qui circule, quoi, entre... C'est plutôt les nerfs qui sont lésés. Quand on opère un homme, par exemple, d'un cancer de la prostate, on sait que souvent, on risque de léser les nerfs érecteurs qui sont tout autour. Et à ce moment-là, on aura une impuissance qui sera liée. C'est le cas de ce monsieur qui est à côté de nous. Je ne connais pas le cas de ce monsieur, enfin, c'est possible. C'est à la suite d'une opération de la prostate que vous avez perdu en tout cas vos érections. Mm-hmm. Hein. Quand on a des gens qui ont des accidents de la route et qui seraient des jeunes hommes souvent qui se retrouvent paralysés parce qu'ils ont une fracture vertébrale avec une lésion de la moelle épinière, on s'explique aussi les difficultés qu'ils ont à provoquer une érection. Qu'est-ce qu'on ne sait pas soigner? On ne sait pas soigner les gens qui ne veulent pas se soigner, les gens qui ne viennent pas consulter, les gens qui ont décidé de mettre un frein à tous les traitements qu'on leur propose. Et les gens qui ont des lésions nerveuses, il n'y a plus rien qui passe entre je dirais, les stimuli et la verge. On a des traitements locaux maintenant, donc le problème ne se pose pas. On sait, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un traitement, parce qu'on ne va pas restaurer l'organe avec son fonctionnement tel qu'il était naturellement. Mais en tout cas, on peut injecter des produits qui provoquent l'érection directement dans la verge. Donc que le nerf existe en amont ou pas, ça n'a aucune importance. Ah d'accord, ça part de... D'accord. Et alors, pourquoi on fait appel à des prothèses parfois? C'est-à-dire que quand les médicaments vasodilatateurs ne marchent pas, que ce soit des injections, que ce soit des médicaments... Alors, quand rien ne marche, quand on a tout essayé que rien ne marche, ou alors dans certains cas, il y a un vieillissement de l'organe, du corps érectile, qui fait que toutes ces structures nobles disparaissent, ça devient une espèce de cordon fibreux. À ce moment-là, il est évident qu'aucun traitement ne pourra fonctionner en dehors de la mise en place d'un tuteur pénien qu'on appelle un implant. Donc on a le monsieur qui avait le tuteur. Puis j'ai entendu parler aussi des espèces de trucs. C'est un peu compliqué. Hein. Deux poches en plastique. Qu'on peut gonfler, c'est-à-dire qui sont reliées elles-mêmes à un tuyau qui est installé dans le ventre, avec une poire qui est installée sous les testicules. Et en appuyant sur la poire, ça provoque une érection. Voilà, il ne faut pas se tromper, il faut bien appuyer sur la poire. mais ça existe. Bien sûr que ça existe et ça marche pas mal du tout. C'est un petit peu plus compliqué comme mécanisme, donc ça peut tomber en panne. C'est une femme qui s'occupe d'accueillir les femmes dans votre cabinet. Elle est sexologue, ça veut dire qu'elle n'est ni gynécologue ni urologue, qu'elle n'est pas spécialement médecin. C'est une femme sexologue, oui. Mais il y a aussi un homme sexologue qui travaille dans le cabinet et qui peut soigner aussi bien des femmes que des hommes. Les femmes iraient plus volontiers vers les femmes que vers les hommes? Les femmes vont plus volontiers vers les femmes. Et les femmes vont plus volontiers vers les femmes. Oui. C'est, pour les hommes, c'est un petit peu plus indifférent. Moi, j'ai eu un homme. Oui. Moi, j'ai eu un homme et une femme. Oui. Un homme pour le
l'apprentissage et au bout d'un moment, quand il s'agit de mieux connaître l'intimité de son corps, c'est vrai que moi j'étais un petit peu gênée de parler de ça, de parler de détails très anatomiques avec un homme. Et de lui-même, en fait, il m'a conseillé une de ses collègues femmes avec qui, en fait, je ne me suis pas sentie gênée de parler de ça. Ouais. Et les hommes qui se sentent gênés de parler de sexe avec vous parfois, Muriel ? Au départ, le tout premier rendez-vous, effectivement, ils sont toujours assez intimidés. Et puis, il y a une relation de confiance qui se met assez rapidement en place et ils passent par-dessus leur gêne. Mais ceux qui sont vraiment complètement bloqués par le fait de consulter une femme ne viennent pas me voir. Ils vont voir un collègue masculin directement. Je demande à Rémi Brossel de venir nous rejoindre. Où est-il, monsieur Brossel ? Venez parmi nous. Bonsoir, monsieur. Enchanté. Asseyez-vous à côté de Rachel. Si vous voulez. Attention, ça glisse. Monsieur Brossel, vous êtes directeur d'un laboratoire privé. Vous travaillez sur la sexualité des hommes et des femmes. Alors, des hommes depuis une vingtaine d'années et depuis 8 ans sur le sexe et les problèmes sexuels que peuvent rencontrer les femmes. Pourquoi seulement depuis 8 ans pour les femmes et depuis 20 ans pour les hommes ? Il est assez stupéfiant de réaliser qu'on a commencé à s'intéresser au fonctionnement des organes sexuels de la femme il y a seulement, en fait, 4 ou 5 ans. C'est un continent noir à découvrir et il est sûr que, compte tenu de toute l'expérience accumulée dans le fonctionnement des organes sexuels mâles, avec tout ce qu'on a vu ce soir déjà, les choses vont aller beaucoup plus vite dans cette exploration très récente du fonctionnement de la sexualité féminine, non pas de la sexualité, mais des organes sexuels de la femme. Donc là, on parle vraiment des problèmes sexuels d'origine physiologique, physique, organique. Organique, disons. Organique. Nous savons aujourd'hui, maintenant, que quand on fait bander un impuissant, eh bien, on a déjà résolu 60% de ses problèmes psychologiques. Donc je crois que c'est une des choses que nous avons apprises, c'est à bien comprendre que très souvent, toutes les difficultés dans lesquelles se dépatouille l'impuissant, les difficultés psychologiques ne sont que la conséquence de son impuissance et pas la cause. Et puis après, très rapidement, quelques années, les choses s'enchevêtrent les unes dans les autres et ne vous arrivez plus à vous en sortir, d'autant qu'il faut également réaliser dans l'impuissance masculine qu'à partir du moment où vous êtes en période de basse eau, c'est-à-dire que vous avez une activité sexuelle relativement faible, il est difficile de reprendre une activité ultérieure. C'est vrai justement ce que dit la sagesse populaire, à savoir que plus on a d'entraînement, moins on a de problèmes, y compris quand on vieillit. En tout cas, moins on s'entraîne, plus on a de difficulté à reprendre l'entraînement. D'accord. Ça, c'est dans ce sens-là plutôt que ça marche. D'accord, très bien. Quel point commun vous avez découvert entre le sexe de l'homme et celui de la femme au cours de vos recherches ? Sans être trop technique. D'abord, tous les êtres humains, depuis le fœtus, donc dans le ventre de la mère, jusqu'à leur dernier jour, tous les êtres humains, hommes et femmes, ont des érections. La nuit, totalement inconscient. Parlez-nous des érections des femmes, alors, parce que là, vous nous surprenez un peu. Et le mot érection chez la femme surprend de premier abord. Oui. Or, pourtant, depuis le fœtus jusqu'au dernier jour, la femme aura des érections. Simplement, la grande différence, une des grandes différences, c'est que le sexe, les organes sexuels féminins sont éclatés. Le sexe féminin est éclaté. Quelle belle éclaté. Image. Mais ça marche quand même. Éclaté dans l'espace et éclaté dans le temps. Éclaté dans l'espace, pourquoi ? On a parlé de corps caverneux tout à l'heure. C'est ce qui est au-dessus de la verge, la partie supérieure de la verge chez l'homme. Ces corps caverneux ont leur exacte réplique qui fonctionne exactement de la même manière, et ça s'appelle un clitoris. Alors effectivement, c'est beaucoup plus petit, caché, mais ça fonctionne exactement de la même manière et ça répond exactement de la même façon aux mêmes médicaments. Et c'est pour ça que vous commencez à voir apparaître quelques publications rares, mais tout à fait passionnantes, sur l'utilisation du Viagra chez la femme. C'est qu'on peut enfin, pour la première fois, provoquer des érections médicamenteuses chez la femme. Il était impensable, vous vous en doutez, d'aller piquer un clitoris et de faire des injections clitoritiques. Mais c'est trop petit. Absolument. C'est trop petit, c'est très sensible et ça aurait été tout à fait impensable. Mais il existe un équivalent de, pour employer des termes un peu techniques, cette partie bleue qui était en dessous de ce phallus représenté tout à l'heure, qui s'appelle les corps spongieux. Et le gland fait partie des corps spongieux. Et ça, c'est une structure érectile qui se trouve, en gros, entre le vagin de la femme et sa vessie. Et c'est cette partie, d'ailleurs, que Graffenberg avait décrit en point G, qui n'est absolument pas un point, qui est une zone érotique tout à fait sensible. Qui est placée où, alors, exactement ? C'est encore à apprendre. À l'entrée du vagin, sur la paroi en avant du vagin, et c'est, bien évidemment, la paroi la plus réceptrice aux
caresses, notamment manuelles, qu'on puisse faire en prélude, amoureux notamment. Donc c'est un sexe éclaté dans l'espace, c'est-à-dire qu'il est divisé en deux, puisque chez le fœtus, d'ailleurs, chez l'embryon plus exactement, au lieu de se rejoindre dans une verge comme chez l'homme, ces deux parties érectiles, une est restée en arrière et l'autre est partie en avant et est devenue le clitoris. Donc déjà un sexe éclaté dans l'espace, et alors surtout, mais beaucoup plus important, la sexualité féminine est éclatée dans le temps. Tout être humain de sexe mâle a commencé sa sexualité, 99%, par une masturbation. C'est le premier plaisir connu. Et quand ça ne se passe pas comme ça, c'est excessivement grave, bien évidemment, et très très rare. Chez la femme, ça passe par une première initiation qui est la masturbation clitoridienne. Or, nous savons que, contrairement aux jeunes garçons, ce passage par la masturbation clitoridienne n'est pas du tout obligatoire chez la petite fille. Il y a probablement, mais là aussi les enquêtes manquent et les chiffres sont très suspects et très biaisés, mais il y a quand même probablement, globalement, environ 20% des femmes qui ne feront pas cette découverte de la sensation érotique clitoridienne quand elles sont petites, vers l'adolescence, la prépuberté. Donc vous encouragez, franchement, la masturbation, donc chez les hommes, vous dites qu'elle est presque automatique, je crois que c'est... Il n'y a pas l'encourager. Et chez les femmes, Chez les femmes, quand cette découverte du plaisir par la stimulation clitoridienne n'existe pas, il y a problème, indiscutablement. Rachel, vous, c'est votre opinion aussi ? Muriel plutôt même. Souvent, pas indiscutablement, mais souvent. Il y a des femmes qui ne se sont pas particulièrement masturbées et qui ont une vie sexuelle très, très satisfaisante, très agréable. Mais c'est vrai que les femmes qui consultent, qui ont des difficultés, très souvent, elles ne connaissent pas du tout leur corps, elles ne se sont jamais masturbées, elles ont une image de masturbation très, très négative. Dégradante. Oui. Mais elles ont une deuxième chance. Vous encouragez les femmes à se masturber ? Oui. Bien sûr. Permettez que je parle à une femme de temps en temps quand même, Rémi. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui apporter à une femme qui a des problèmes sexuels d'origine organique et que vous pourrez apporter à l'avenir ? En gros, vous travaillerez sur les mêmes types de molécules pour avoir cette espèce de d'excitation maximum, cette dilatation du clitoris, cette excitabilité, on pourrait dire. L'érection, c'est un afflux de sang dans un corps caverneux ou dans un corps spongieux. Dans la verge, les deux ensemble. Mais il y a deux parties chez les femmes, il y a le clitoris et puis il y a la partie cachée. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité d'examen de rattrapage chez la femme. C'est quand elle a manqué cette période clitoridienne de la préadolescence, elle a ensuite, entre guillemets, une deuxième chance. C'est la rencontre de l'autre et ce sont les premières pénétrations. C'est pas l'oral de rattrapage, donc. C'est... pas dans le sens clintonien du terme, non. Gentil, merci beaucoup, ça réveille ton temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Puisqu'on en est à apprendre des choses quand même, et des choses assez simples, hein, finalement des choses qu'on devrait apprendre à l'école peut-être ou en famille, mais enfin il y a des cours de rattrapage pour tout le monde. Quels sont, à partir d'aujourd'hui, c'est à quel âge qu'on a les rapports sexuels ? Quel est l'âge moyen pour avoir un premier rapport sexuel pour un garçon ou pour une fille ? Ça se rapproche, fille et garçon, et c'est 16-17. Et la fréquence des rapports, est-ce qu'on a des moyennes aussi là-dessus ? Parce que je suis sûr que pas mal de gens se demandent s'ils sont normaux. C'est comme la durée, c'est pas pour donner une durée type, hein, c'est simplement pour donner des indications, des indicateurs. Ça n'a bien évidemment pas de sens, néanmoins... Merci quand même. Eh bien, en gros, allez, on va faire la moyenne. Un couple normal aura environ 5000 rapports sexuels dans son existence. Oh, ben alors là, vous ne nous aidez pas à compter. Là. Ça fait deux à trois par semaine. D'accord, par semaine. Okay. Et parlons maintenant des quand on vieillit, quand on prend de l'âge, il y a pas mal de couples, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on a lu pour préparer cette émission, qui cessent d'avoir une activité sexuelle à partir d'un certain âge. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus ou des chiffres qui nous permettent de nous situer ? Non ? Oui, ça a été très bien étudié, notamment aux États-Unis, dans des grandes enquêtes qui ont vraiment fait le point là-dessus. Nous sommes dans des populations vieillissantes et nous savons qu'arrivé vers 65-70 ans, nous avons fait beaucoup de progrès par rapport aux générations antérieures. Vous avez encore absolument 40 à 45% des gens passés 70 ans, des hommes, qui ont des relations sexuelles. Et les femmes. Et performantes. Oui. Et le pourcentage est à peu près le même, mais vous savez qu'il y a plus de veuves, les choses commencent à se passer là d'une manière où il faut tenir compte de la démographie. Et c'est cette population vieillissante qui va être probablement demanderesse de Viagra et surtout des successeurs du Viagra chez l'homme, puis chez la femme. Puisque nous savons encore une fois, et ça c'est tout à fait extraordinaire, c'est la première fois où ça se passe dans l'histoire de l'humanité, provoquer une érection médicamenteuse chez la femme. Expliquez aux femmes que vous allez provoquer des érections chez elles, vous allez voir.
Enfin, faudra que ça rentre dans les mœurs, tout ça. Merci, monsieur Brossel, c'est très clair. Je vais donner la parole à un homme qui a souhaité témoigner en duplex masqué, comme on dit entre nous. Bonsoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin de nous, autour de ce studio, quelque part. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Vous avez un autre problème d'origine physique qu'on va voir avec vous maintenant. Vous avez suivi une opération pour allonger la taille de votre pénis. Quelle était la taille de votre pénis avant l'opération, Marc? Oui, j'avais 3,5 cm de longueur au repos et 11 cm en érection. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un micro-pénis? Parce que c'est une formule que j'ai découvert en préparant l'émission. Oui, c'est exact. Micro-pénis? Oui, c'est un tout petit pénis. Enfin, c'est un peu... C'est une définition. On dit que c'est moins de 7 cm en érection, un micro-pénis. Ah ben non. On peut dire que c'est un petit pénis, mais c'est pas un micro-pénis. Ouais. Quelle est la taille moyenne? Je suis toujours dans les moyennes, moi. 16. 16? Ouais, d'accord. Donc vous étiez en dessous de la taille moyenne, mais tout à fait d'accord, non, non. Rachel, j'ai 13 centimètres. Muriel, pourquoi j'appelle Rachel? 13 de moyenne, vous dites? 13, oui. 13 centimètres. Bon, entre 13 et 16, quoi, disons. Vous, monsieur, c'était un petit peu en dessous de ça, donc 11, c'est ça que vous nous avez dit? Oui, 11. Qu'est-ce qui vous a décidé à allonger la taille de votre pénis? Lorsque j'étais jeune, je me suis rendu compte que par rapport à mon frère, j'étais beaucoup moins avantagé que lui et j'avais du mal également plus tard à conserver une amie. Je me suis rendu compte aussi que j'avais un très petit pénis lorsque j'avais l'occasion de regarder un film X. Et Rocco, vous faites beaucoup de mal. Aussi. Question au docteur présent sur ce plateau, je vais la poser, tiens, à Muriel. Dans quelle mesure la taille du sexe a une influence sur le plaisir? Je pense que c'est bon, faut vraiment, si vraiment c'est un très très petit sexe, effectivement. Ça... Mais je pense que de toute façon, le vagin de la femme est constitué de façon à envelopper le sexe, indépendamment de sa taille. Donc au niveau du plaisir, je crois que ça ne doit pas jouer vraiment d'impact. Si ça en joue, c'est vraiment plus psychologique que physique. Hein, je pense que les hommes sont d'accord. L'andrologue aussi. Rémi, vous êtes d'accord? Et vous aussi, M. Chouvin, vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce que les réactions des femmes ont vraiment été, pas désobligeantes, mais est-ce qu'elles ont vraiment été précises, chirurgicales, en vous disant « t'as vraiment un pénis trop petit » ? Oui, en effet, j'ai eu ce problème-là très souvent, mais finalement, j'ai surmonté le problème. J'ai fini par épouser une femme qui n'était pas très, très matérialiste, si l'on peut dire. Oui, si on peut dire, alors. Oui. Et malheureusement, je l'ai perdue 3 ans après. Ce qui fait que ensuite j'ai essayé de me remarier, mais je n'ai pas pu. J'ai donc mis ceci sur le compte du fait que mon sexe était trop petit. C'est-à-dire que les femmes restaient pas avec vous? Pas du tout, pas plus d'une semaine. Ah ouais. Ça fait 10-15 fois ça. Oh, pardon. Comment vous avez posé le pour et le contre avant l'opération, Marc? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Il m'a fallu plusieurs années. Je n'avais aucun renseignement à ce sujet. Et je ne savais pas du tout, lorsque finalement j'ai pris ma décision, où j'allais arriver. Je suis donc parti pour les États-Unis avec beaucoup de courage. Et je me suis fait allonger le sexe jusqu'à 11 cm. Mais non, vous aviez déjà 11 cm. Ah non, au repos? Au repos. Vous êtes passé de 3 à 11. Je suis passé de 3 à 11 au repos. Ouais. Mais comment on rallonge un pénis? Il y a une partie des corps érectiles qui est enfouie entre les jambes, si vous voulez, et qui est suspendue par un ligament qu'on peut sectionner. À ce moment-là, la partie enfouie se désenfouit. Et on utilise ensuite la peau pour faire ce qu'on appelle une plastie, pour recouvrir la partie désenfouie. Mais c'est une opération classique, je veux dire, qui se pratique? Non, c'est pas une opération classique. Il y a 2 ou 3 centres en France qui font ça. Chez nous, on le fait à l'hôpital Tenon. Vous le faites? Oui, bien sûr. Ah oui. Dans quel cas vous le faites? En dessous de pour les micro-pénis ou pour de la réparation? Essentiellement pour de la réparation, pour des micro-pénis, pour des demandes comme celle de Marc. C'est une intervention qui est délicate quand même. C'est-à-dire qu'il y a des ratages? On essaie d'éviter, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Ah bah, c'est sympa, ça. J'aurais une question pour ce monsieur. Est-ce que les femmes qui vous quittaient vous disaient « je te quitte parce que tu as un trop petit pénis » ? Absolument pas. Ah bon. C'est peut-être pas ça. Absolument pas. C'était peut-être pas. Vous supposez que les femmes vous ont quitté parce que vous aviez un trop petit pénis, mais en fait, ça reste une supposition. Oui, exactement, mais de toute façon... J'ai quand même un exemple, j'avais un exemple à côté de moi, mon frère, qui lui, par contre, bien gâté par la nature, avait toujours une amie à côté de lui pendant plusieurs moments, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois.
Et c'est, vous pensez que c'est vraiment pour des raisons de taille de sexe, quoi. Je veux dire, c'est possible, on ne va pas mettre votre parole en cause, c'est votre intuition, puisque vous avez observé année après année, quoi. C'est votre intuition, en tout cas, c'est votre conviction intime. C'est mon expérience, j'en suis convaincu. Je n'ai pas d'autres explications à donner. C'est, donc, résultat de l'opération, vous avez gagné pas mal de centimètres au repos. En érection aussi, le résultat est aussi spectaculaire? Oui, en érection, actuellement, je suis à 15 centimètres. Eh bien, c'est mieux que 11. Vous êtes content de votre opération? C'est beaucoup mieux. Non, en fait, la première opération s'est très mal passée. J'ai eu droit à une très belle infection qui a donné lieu ensuite à une très très grosse cicatrice que j'ai dû garder encore un certain temps. Vous en êtes où alors? Vous êtes fait réopérer ensuite, Marc, pour la faire courte, si je puis dire? Non. Là, il est question que je me fasse réopérer au mois d'octobre, donc très prochainement, pour regagner un bon centimètre, ce qui me ferait... C'est l'escalade, là. Hein. Ce qui me ferait un bon 16. Je vous en prie, Charles. Une question pour Marc, oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà donné du plaisir à une femme sans pénétration? C'est aussi possible, on parle que de ça depuis le départ. Oui. Et si on parle de plaisir dans le couple, il n'y a pas que ça, en fait. Les hommes ne parlent que de ça, parce que les femmes ont dit autre chose. Mais... En fait, c'est un complément, je trouve. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir un sexe convenable... acceptable pour pouvoir remplir cette fonction. Vous comprenez ce qu'il ressent Marc ou pas du tout, Charles? Enfin, moi, pas du tout, je suis vraiment à l'opposé. Je vois pas pourquoi il faut avoir un sexe de 16 cm pour avoir du plaisir avec une femme. C'est le fait pour donner du plaisir à une femme, en fait, ce qu'il dit. Hein. C'est peut-être le fait d'être un petit peu perfectionniste. Encore une fois, alors, là, on arrive à une notion d'objectif, de but à atteindre. Et à part que chacun ait du plaisir l'un avec l'autre, en fait, je vois pas ce qu'il y a d'autre à chercher. Et c'est pas soit une durée en chrono, ce qui m'a beaucoup déplu, soit une taille de pénis. C'est trouver ensemble, effectivement, les mécanismes pour arriver. Ce qui vous a déplu, c'est qu'on a, évidemment, vous avez vu, tout le monde a pris des précautions quand on parlait de chrono ou de moyenne, n'importe quoi. C'est moi qui posais des questions de crétin en disant des moyennes pour se donner une idée, quoi, pour avoir des repères. Mais c'est forcément fallacieux. Les gens qui feront l'amour dans un temps inférieur se diront je suis pas la norme. Les gens qui font l'amour pendant 30 secondes et qui ne savent pas que c'est peu, ils se diront, tiens, là, je suis vraiment... peut-être que j'y ai 30 secondes, c'est un peu l'extrême. Ouais. Ou 5 minutes. Ouais. Je pense aussi que le docteur Schumann ne me contredira pas. Physiologiquement et organiquement, la femme peut très bien jouir avec une pénétration entre 2 et 3 cm. Ah non, mais je pense que la femme peut très bien jouer sans pénétration. Même sans pénétration. Oui, non, mais enfin, même sans pénétration, je crois. S'il y a le désir de pénétration chez l'homme, il faut que l'homme sache qu'avec 2 ou 3 cm, ça peut aussi marcher qu'avec 16. Hein. Oui, absolument, puisque ça peut marcher même sans pénétration. J'ai une question pour Marc. Attendez, Muriel, j'ai un peu répondu. Muriel, vous dites pénétration. C'est quand même un peu léger de 3 cm. Là, c'est du cadre du micro-pénis. Non. Une femme heureuse sans pénétration, c'est pas un véritable handicap. La question, c'est est-ce que Marc a essayé une thérapie déjà pour commencer? Non, aucune. Ce n'est pas chirurgical, ce qui est le pire de tout. Non, mais là, il est facile de dire, on ne comprend pas ce qu'il fait, etc. Mais on peut quand même comprendre la situation dans laquelle s'est mise, monsieur. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'on puisse prendre des risques organiques pour essayer de satisfaire sa sexualité? Vous comprenez ça, Isabelle? Non, pas cela. C'est pas la satisfaction de la sexualité, c'est la satisfaction de l'image. Oui, en fait, c'est l'image et le regard des autres qui gêne Marc. Mais à aucun moment, lui, il s'est remis en question en tant que personne, en tant que... Il remet en question la taille de son sexe, mais... Vous voulez ajouter quelque chose, Rémi, avant de donner la parole à Marc? Oui, je crois que là, on est absolument aux marges. Et qu'en fait, le vrai problème, si on veut discuter des troubles de la sexualité, c'est cette situation bien plus fréquente qui est l'insuffisance érectile chez l'homme et la difficulté du plaisir et de l'orgasme chez la femme. Mais ça existe. Même le docteur Schumann, qui a pignon sur rue, qui est un monsieur éminemment sérieux, pas monsieur sérieux, déjà, ce sera pas mal. Parfois, opère, je veux dire, allonge des pénis, ça se fait, c'est pas Mars. Ça se fait dans certains cas précis, mais là, en l'occurrence, je pense que Marc a eu le tort peut-être, mais c'est certainement quelque part une pathologie psychologique qui a fait qu'il a d'emblée voulu se confronter aux acteurs porno qui ne sont pas choisis parce qu'ils ont une petite verge en général. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter. Où il faut arrêter d'aller trop loin. Et là, j'ai l'impression qu'il a été trop loin et qu'il va encore aller trop loin. L'intervention supplémentaire ne sera certainement pas à bénéfice. Il en voudra une autre après. Il lui manquera toujours un centimètre. Bon, vous verrez peut-être tous les deux après l'émission pour voir si Marc peut vous poser une question et si vous pouvez lui apporter une réponse comme ça. Paul et Sabine ont essayé le Viagra. Enfin, c'est Paul qui a pris du Viagra. Vous avez essayé d'en prendre aussi ou pas? Non, mais il n'y a pas de quoi rigoler parce que visiblement, il y a des possibilités que ça. Effectivement, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que vous attendiez exactement? Rappelez-nous ce que vous attendiez du Viagra pour ceux qui nous auraient rejoints pendant l'émission. Paul, peut-être.
Bien, enfin, moi, au contraire de beaucoup des intervenants de cette émission, j'ai pas eu de composants, je dirais, psychologiques dans les troubles. Pour moi, j'ai eu une vie tout à fait normale sur le plan sexuel pendant 25 ans. Et suite donc à une opération, j'ai eu une légère lésion des nerfs. Opération de la prostate, ouais. Voilà. Tout au moins dans la zone de la prostate, à très grande proximité, qui a créé, je dirais, de grandes difficultés. Et ces difficultés donc, ont entraîné, je dirais, à la suite une composante psychologique, mentale, et une espèce de spirale de l'échec. Donc j'ai essayé un certain nombre de... je n'ai pas essayé de thérapie, je dirais, auprès d'un sexologue, puisque j'avais analysé mon problème comme étant, je dirais, à la base, une affection organique, et j'avais besoin de me libérer de cette affection organique pour pouvoir récupérer un fonctionnement normal. On sait qu'il y a un risque dès qu'on touche à la région de la prostate, hein, vous disiez, docteur. Alors non, je crois qu'il faut relativiser quand même. Relativisons, ouais. Quand on opère une lésion cancéreuse de la prostate, il y a un risque. Il ne faut pas non plus faire peur aux téléspectateurs. Quand on les interventions simplement pour ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui grossit et qui obstrue un petit peu, on en enlève une petite partie à l'intérieur, la partie malade exclusivement, il n'y a aucune raison qu'il y ait de conséquences sur l'érection. D'accord. C'est pour ceux qui n'en regardent. Donc j'ai essayé une technique de... Enfin, deux injections, et je n'ai pas souhaité y donner suite. J'ai trouvé, contrairement à d'autres, cette chose un petit peu pénible, et un manque de spontanéité ensuite dans ce qui pouvait préluder à des rapports sexuels. Oui, je trouve ça très déplaisant. Donc, très déplaisant, c'est l'acte en lui-même, le geste, le fait qu'on... L'absence de... Oui, enfin, la trop grande préparation, l'absence d'érotisme de la chose. Une pilule, ça vous paraît moins barbare et oui, même s'il faut planifier aussi, hein, quand oui, même. Oui, hein. Oui, bien sûr, mais oui, c'est vrai. Ça paraît, je pense que la planification est plus facile, elle est plus discrète et elle peut rentrer dans un jeu amoureux beaucoup plus naturel. Et puis il y a quand même une plus grande flexibilité. Si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, le vocabulaire est très riche. Tout à fait. Ouais. Une plus grande flexibilité en ce qui concerne, je dirais, donc cette préparation au rapport. D'accord. On va regarder maintenant le reportage qu'on a tourné ensemble il y a quelques jours, puisque dans quelques semaines, la petite pilule bleue va être donc vendue en France, en pharmacie, après prescription médicale, évidemment. Le Viagra existe en Suisse et dans d'autres pays. On était en Suisse parce qu'ils parlent français, parce que c'est près de chez nous, il ne faut pas que les Suisses nous en veulent. Hein. Ça existe en Suisse depuis quelques mois, avec un énorme succès commercial, comme aux États-Unis d'ailleurs, où ça marche vraiment très fort. Donc voici donc ce qu'on pourrait se dire, c'est presque un avant-goût de ce qui va arriver en France. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Marc Borde et Miguel Gonan, si c'est comme en Suisse, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme en Suisse ici, il ne sera pas tellement difficile d'obtenir du Viagra, même si on n'en a pas réellement besoin. Donc on a fait une double expérience, une expérience avec un jeune homme de notre équipe qui a été demandé du Viagra à un médecin, et puis une expérience avec vous. On vous a quand même laissé au bord de la chambre à coucher, donc vous nous direz comment ça s'est passé juste après ce reportage. Allons-y. Arrivée du vol Paris-Genève. Depuis une opération de la prostate il y a 4 ans, Paul a de vrais problèmes d'érection. Il ne supporte ni les piqûres dans la verge, ni la pompe à vide. Avec son épouse, il est venu chercher du Viagra, pas encore disponible sur le marché français. Car après les montres, les banques et le chocolat, la Suisse s'est faite une nouvelle spécialité. En mettant le Viagra sur le marché dès le mois de juillet, alors qu'il ne sera en vente en France et en Europe que le mois prochain, le pays a drainé dans ses pharmacies une clientèle impatiente qui vient parfois de très loin. Pour le seul mois de juillet, le mois du lancement, les officines helvétiques ont vendu près de 150 000 pilules de ce médicament contre l'impuissance. J'ai eu des ordonnances du monde entier, en commençant par la France, ensuite après ça s'est étendu vers le nord de l'Europe, et puis ensuite après... On en a eu vers le sud, j'ai eu des ordonnances italiennes, j'ai eu des ordonnances de Russie. Et puis ensuite, après, on a eu même des pays arabophones. Nous avons aussi eu des Monte-Carlo. Qu'est-ce que vous faites quand les gens vous demandent du Viagra sans ordonnance? Alors, sans ordonnance, je les dirige vers leur médecin. Je leur demande d'aller voir soit leur médecin déjà de famille, ensuite voir chez un neurologue, éventuellement. Avec une caméra cachée, nous avons voulu voir ce qui nous attend en France avec la mise sur le marché du Viagra. S'il est vraiment difficile d'en obtenir sans ordonnance, les pharmaciens ne manquent pas d'arguments pour en vendre rapidement. Si par exemple vous avez moyen de contacter votre médecin français, on peut faire une ordonnance. D'accord. Et donc il peut vous l'envoyer par fax? Et il peut nous l'envoyer par fax, voilà. Comme ce sera le cas en France, tous les médecins, même les généralistes, sont habilités à prescrire le Viagra.
Toujours avec notre caméra cachée, nous avons tenté d'en obtenir sans même avoir recours à un médecin français. Nous sommes toujours à Genève, chez un généraliste. Combien de temps donnez-vous de consultation? Ou est-ce que vous voulez juste les pilules et puis on en parle, ou bien est-ce que vous partez, ou bien est-ce que on peut en parler d'une façon plus globale? Je pensais qu'il y aurait plein d'examens à faire. Vous n'avez pas de problème cardiaque? Oui, non. Vous n'avez pas d'angine? Ouais. Même si vous aviez un souffle, ça ne changerait rien? Mais vous croyez sur parole, quoi. Vous vérifiez pas écoutez, plus que ça, quoi. Écoutez, si chaque fois qu'on prescrit ça à une personne de moins de 60, de moins de 70 ans, il faut faire l'épreuve d'effort, la gastroscopie, pour être sûr qu'ils disent pas de conneries, excusez-moi, là. Si vous m'avez répondu honnêtement, vous n'avez aucun risque. Bon. La question qui me reste, c'est combien voulez-vous? Je me dis qu'une trentaine, ça serait bien. Écoutez, je vais vous donner du 50, et puis tant pis si vous vous surdosez, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des nuances. Mm-hmm. Moi, je vous donne la dose moyenne. Peut-être que ça irait bien avec la dose inférieure, mais... Vous êtes généraliste, hein? Je suis généraliste, mais j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Vous avez fait combien de temps, l'urologie? 6 mois. C'est vrai que 6 mois, c'est dérisoire face aux 6 ans de spécialisation. Ouais. Mais... ça met à l'aise. Très bien, ben, je vais vous... régler ce que je vous dois, alors. Vous me donnez, s'il vous plaît, 50 francs. D'accord. Pour le prix d'une consultation qui sera remboursable par la Sécurité sociale en France, nous voilà autorisés à aller chercher nos fameuses pilules bleues. Oui. 623-10. Oui. Pour Paul, le Viagra n'est pas un gadget. Il a rendez-vous chez le docteur De Bocard, un des urologues qui prescrit le plus de Viagra en Suisse. Extrêmement rare. Vous voulez dire que vous n'avez pas de pénétration? Pas de pénétration, ouais. Oui. Ou pénétration, mais avec un caractère tellement éphémère que le rapport s'arrête quasiment immédiatement. Maintenant, je suis un petit peu dans une période où... cercle vicieux me fait redouter l'idée d'un rapport, et à la limite repousser l'idée d'un rapport, puisque je suis convaincu que je vais me ramasser une fois plus. Compte tenu de son âge et de son opération chirurgicale, un examen est cette fois nécessaire. Le Viagra peut être une solution pour ce patient, et j'en veux pour... disons, signe qu'il a des érections, donc qu'il est capable de quelque chose actuellement. Ce qui lui manque, au fond, c'est une certaine rigidité. Or, ce médicament n'entraîne pas d'érection, donc ne va pas permettre de rendre quelque chose à quelqu'un qui n'a rien, mais permet une bonne, disons en tout cas une meilleure érection chez quelqu'un qui a quelque chose. Il y a quand même eu un espèce de phénomène de mode autour de ce médicament. Absolument. Les gens qui ont de réels problèmes viennent, discutent et ont un bilan assez étendu. En revanche, les gens qui n'ont pas de problème débarquent à toute heure. J'ai même eu une fois une demande à 11h30 le soir pour avoir la pilule qu'ils croient miracle, mais qui n'est à essayer que dans des conditions très particulières. Voilà, nous avons eu une discussion avec votre époux et je lui ai remis une prescription pour ce médicament dont vous avez entendu parler, comme tout le monde, Viagra. Oui. Il y a un délai important entre la réaction du produit et le... Le produit donc, doit être pris environ une heure ou une heure et demie avant le début présumé de l'acte. Alors, il faut le prendre librement, spontanément, l'oublier. Mmh. Et après, vous avez une fenêtre, si j'ose dire, d'environ 4 heures. Donc je suppose que vous savez que c'est un médicament qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Vous venez de France? Oui. Oui. En Suisse non plus, les assurances ne le prennent pas en charge, alors je vous demanderai de me le régler. Le plus souvent, les messieurs viennent seuls et payent leurs médicaments cash. Ils ne veulent pas laisser de traces? Non, c'est une question de discrétion, ça peut se comprendre. Je pense qu'il en a pas, enfin il en a besoin, mais il en a besoin comme d'un starter. En fait, je suis persuadée qu'il a besoin de reprendre confiance en lui. Si jamais ça marchait pas, qu'est-ce que... Je sais pas. Non, je sais pas, parce que je pense pas que je repartirai ou que je réessayerai ce que j'ai déjà essayé. Donc, mais je sais pas. Voilà, donc je sais pas si ça s'applaudit.
Alors, c'était il y a combien de jours, ça? La semaine dernière. Donc vous n'aviez pas fait l'amour de manière satisfaisante depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Je crois que, j'espère, puisque c'est encore un peu récent, mais je crois que j'ai sans doute trouvé la solution à mon problème. L'aide que j'ai eue en utilisant ce médicament m'a permis, je dirais, déjà de rompre le cercle vicieux dans lequel j'étais en train de m'enfoncer depuis 2 ans. Vous avez pu faire l'amour de manière satisfaisante ce week-end, enfin ces derniers jours? Oui, tout à fait. Une fois? Oui, plusieurs fois. Pas consécutivement à cette prise de pilule, mais je veux dire, même dans les jours qui ont suivi, et justement sans ingestion d'une autre... On peut dire que c'est reparti pour vous, quoi. Donc, j'espère. Pour l'instant. Acceptons l'augure. Donc c'est reparti pour ce couple, et ça fait plaisir à voir et à entendre. On ne va pas pour autant faire une publicité aveugle pour ce laboratoire américain qui commercialise la pilule. Ça ne marchera pas sur tout le monde, docteur. Cette pilule est un médicament. C'est un médicament qui fait partie d'une classe d'hypotenseurs, donc qui peut avoir des contre-indications, des effets secondaires et de temps en temps une inefficacité. Alors, bizarrement, c'est un hypotenseur, encore une fois, pour un vasodilatateur. C'est un vasodilatateur, une fois de plus. Qui laisse entrer. Donc, c'est d'ailleurs un petit peu, c'est un effet secondaire dans une étude sur un médicament hypotenseur. Où les patients ont dit, bah tiens, il y a comme effet secondaire, j'ai des érections très fréquentes. C'est beaucoup plus facile. Et on s'est dit, tiens, si on utilisait le vasodilatateur pour résoudre les problèmes d'érection. De quel œil vous voyez l'arrivée du Viagra, vous, en France? En France, comme partout, je crois que c'est à la fois un bien et un mal. Il y a toujours les deux revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est extraordinaire que maintenant, ça, grâce au laboratoire qui l'a découvert, grâce aux médias qui vont en faire un grand tapage, les gens vont enfin venir consulter pour leurs troubles sexuels. Ils ne vont pas rester frustrés et malheureux. Donc on pourra leur apporter cette solution ou d'autres solutions mieux adaptées. Ou les autres solutions quand ça ne fonctionnera pas. Le revers de la médaille, c'est que, je vous l'ai dit, c'est un médicament avec un certain nombre de risques. Et si on ne respecte pas ces risques, si ce médicament est galvaudé, qui n'est pas encadré sur le plan médical, il y aura des accidents. Quels sont les risques? Le risque, c'est de mourir. Ouais. Par exemple, si on le prend associé avec ce qu'on appelle une famille de médicaments qui sont les dérivés nitrés qu'on donne pour les infarctus du myocarde, les angines de poitrine, les patients qui prennent des dérivés nitrés ne doivent pas prendre de Viagra, c'est formellement contre-indiqué. C'est écrit sur la brochure, les médecins le savent, ne le prescriront pas. Mais à l'opposé, si les patients s'amusent à donner du Viagra à un copain pour essayer, le risque existe. Et puis surtout le risque inverse, c'est-à-dire un patient qui prend du Viagra va chez un cardiologue ou un médecin généraliste qui va lui prescrire un dérivé nitré. Si le patient n'a pas pris la peine de dire « je prends du Viagra de temps en temps » ou si le médecin n'a pas l'idée de lui poser la question, le risque existe. D'accord. Je vais demander à une autre sexologue de nous rejoindre qui a une opinion très personnelle sur le Viagra qui est intéressante à écouter. Noëlla Jarousse vient de nous rejoindre, si vous voulez bien, Noëlla. Venez par là, Noëlla, venez par là. Bonsoir. Tenez, asseyez-vous à côté de Muriel. Sans glisser, ça glisse des fois. Bon. Vous êtes sexologue. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les femmes que vous recevez dans votre cabinet jusqu'à présent, comment les femmes perçoivent l'arrivée du Viagra en France? Bien, en fin de compte, c'est très, très particulier parce qu'un certain nombre d'entre elles sont très heureuses, comme dans le couple que l'on a vu ici. Mais moi, je vois dans le service du professeur Cayatte en cancérologie, des femmes venir presque désespérées en me disant « mais je n'ai pas envie, moi, en tant que femme, de subir, en fin de compte, une sexualité. » Subir, je dis bien ce mot-là. Donc à partir du moment où il n'y a pas cette complicité, c'est très difficile de prescrire quand même cette pilule-là. Quand les deux ne sont pas d'accord. Mais quoi. Bien sûr. Et c'est pire que pas d'accord, c'est une grande détresse en se disant, en fin de compte, est-ce que je vais pouvoir supporter maintenant mon mari? Parce qu'en fin de compte, un mari qui n'a pas d'érection, contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent la femme y trouve son compte. Parce qu'il est doux, gentil, il va compenser par une autre façon de faire, soit plus de caresses, soit plus de tendresse à la maison. Et cette virilité retrouvée quelquefois va lui permettre d'avoir peut-être un comportement plus agressif. Excusez-moi, mais je veux dire, avec ou sans Viagra, un homme qui a une activité sexuelle normale, s'il a des envies que ne partage pas sa partenaire, le problème sera le même. J'avoue ne pas suivre le... Non, ça c'est vrai. Mais effectivement, le couple qui déjà avait certaines difficultés, si en plus il y a cette histoire de maintenant qu'il y a le Viagra,
avant, on s'en arrangeait de cette sexualité qui était un petit peu dysfonctionnelle. Mmh. Et c'est vrai que si le couple n'a pas une parfaite intimité, une parfaite complicité, mais bon, ça ne marchera pas bien. Vous pensez que ça va faire du mal au couple ? Vous ne pouvez donc pas, dans ce cas-là, impliquer le Viagra pour ce genre de choses. Je pense que le couple n'allait pas, et Viagra ou pas Viagra, il n'ira pas bien. Eh bien, justement, c'est quelque chose qu'il serait important, peut-être, de souligner. Le Viagra n'arrangera pas tout dans le couple. Et donc, mais si vous dites que les gens s'accommodaient d'une certaine sexualité, si le monsieur est demandeur de Viagra, c'est que lui s'en accommode pas en tout cas. Oui, mais alors donc il y a déjà un décalage. Voilà. Et donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est pas simplement le côté sexuel qu'il faut voir, mais le côté conjugal. La relation, qu'est-ce qui se passait dans ce couple, ça ne marchait pas, jusqu'ici on s'en arrangeait, mais ce n'est pas une prescription qui va obligatoirement redonner un dynamisme et une complicité. Mais dans un autre cas, quand il y a vraiment une pathologie, et dans le cas de monsieur et de madame, où vraiment ils s'entendaient bien, c'est évident que la prescription est complètement à faire. Vous écouter, on a l'impression que vous, si vous aviez le choix, vous ne donneriez le Viagra qu'au couple qui viendrait vous voir. Pas seulement au monsieur. Ah, c'est la première chose que je leur demande quand ils me font cette avancée, en fin de compte, un peu feutrée. Il va y avoir une pilule. Qu'est-ce que vous en pensez dans le service de cancérologie? Je dis, bon, vous la souhaiteriez? Oui, dit le monsieur. Et votre épouse? Ça, justement, peut-être pas. Pouvez-vous venir en couple? Comment peut-on arranger? Parce qu'effectivement, il n'est pas question de priver non plus l'homme du désir, tout d'un coup, de se dire « ça y est, enfin, on peut venir à mon secours ». Mais il n'est pas non plus normal de laisser la femme dans le désarroi, se sentant obligée de répondre à une sexualité qu'elle n'exerçait plus depuis 2 ans, 3 ans quelquefois. Noël, là aussi, tu as un recrutement un peu particulier. Ah, vous connaissez, vous, non? Dans un service de cancérologie. Donc, oui. C'est quand même pas le commun des consultants pour problèmes sexologiques. Il y a d'autres angoisses dans ce contexte que la Muriel, vous avez une position, vous avez quelle position par rapport au Viagra? Moi, n'étant pas médecin et sexologue qui m'occupe que des troubles psychogènes, de toute façon, je ne serais pas amenée à prescrire le Viagra. Non, mais je pense que vous... Mais c'est vrai que je peux être amenée à référer des patients dans le service d'andrologie, par exemple. J'essaie toujours, je pense que le Viagra pour un problème organique, c'est la solution probablement miraculeuse. Maintenant, quand c'est un trouble érectile qui est dû à des problèmes psychogènes, moi, c'est vrai que de par ma position, j'ai plutôt envie de privilégier une démarche thérapeutique pour essayer de rendre le fonctionnement sexuel à l'homme et le rendre indépendant de tout médicament. Vous comprenez Paul qui nous dit en gros, j'ai un problème organique, mais je sais que vient se greffer à ce problème organique une peur qui, elle, crée des incidences psychologiques, si je veux dire, et puis le cercle vicieux crée. Donc la pilule, c'est presque, c'est l'étincelle quoi, pour vous. Ce qui permet de rompre ce processus. Mais par exemple, qui ont des troubles psychologiques, personnellement, j'ai l'habitude de travailler en équipe avec des sexologues. C'est un complément qui aide les sexologues. Quand on peut recréer cette érection, même d'une façon artificielle, on fait disparaître une grosse partie de l'angoisse. Et à ce moment-là, le travail du psychologue, du sexologue devient beaucoup plus facile. Vous avez peur pour les femmes, Noëlla ? Vous avez peur pour les femmes en particulier ? Vous avez peur pour le couple ? Vous allez me dire pour le couple, mais... J'ai peur, oui, plus pour le couple. Que ça n'arrange pas obligatoirement leurs difficultés. Et tout à l'heure, tout le monde disait que c'était très cher les thérapies de couple, les thérapies sexuelles. Mais vous savez, dans toutes les consultations hospitalo-universitaires, tu en as une également, nous avons des prix quand même qui sont tout à fait abordables. C'est un traitement comme un autre, une prise en charge comme un autre. Et en fin de compte, le couple aurait avantage même à consulter parce que, comme c'était dit tout à l'heure, ça enlève cette dimension anxiogène, ça enlève la dépression, ça évite de tomber dans une morosité qui coûte presque plus cher comme prise en charge. Ça coûte sûrement plus cher, oui. Merci. Je donne la parole à Françoise Rey qui va venir nous rejoindre pour conclure. Françoise Rey va venir nous rejoindre pour conclure. Françoise Rey. Bien, Françoise. J'ai apporté mes notes. Bah, bien sûr, moi aussi j'allais bien. Allez-y. Sans prive. Bien, alors j'ai pris des notes très sérieusement. Et le premier point, l'émission posait une question, les troubles sexuels. Est-ce la fin des tabous? Alors, je crois qu'on peut répondre à la fois oui et non. Oui, parce que l'émission est en train de se faire, donc c'est bien qu'on ose en parler. On a des gens très sérieux qui viennent en parler. Il y a des gens qui témoignent à cœur ouvert, qui sont très naturels et très sincères.
Mais c'est encore un tabou tout de même parce qu'il y a des gens qui sont masqués, qui sont rendus anonymes, dont la voix est déguisée et qui ont peur de certains regards, d'affronter certains regards après l'émission. Clairement, et ils ont raison. Et ils ont raison parce qu'il y aura des regards, c'est sûr. Et ceux qui ont comparu à visage découvert ont beaucoup de courage. Et je serai de tout cœur avec eux après l'émission quand je penserai à eux, parce que c'est vrai que les regards sont pas faciles à aborder. Alors, il y a autre chose maintenant, peut-être faudrait-il se mettre d'accord sur ce qu'on appelle vraiment les troubles sexuels. Alors, on a fait la preuve qu'il y a des troubles organiques, effectifs, qu'il y a des troubles psychologiques, c'est vrai, qui relèvent d'une assistance médicale aussi, de psychologues et de sexologues, mais il y a aussi des troubles qui sont vivement encouragés par la société elle-même. Et nous n'avons pas, je pense, de système de référence. C'est-à-dire que quand nous voulons nous positionner par rapport à une norme, et c'est un mot qui fait beaucoup de mal, cette norme-là, nous regardons quoi? Si nous voulons voir des sexes en gros plan, nous regardons des films porno. Et c'est pas étonnant qu'on se trouve rikiki, et qu'on se trouve vraiment extrêmement faible dans ses performances, et qu'on se trouve, nous, les femmes, mal foutues, et que les hommes se trouvent vraiment extrêmement peu avantagés par la nature, quand ils se comparent à des images qui nous sont imposées par des films porno, et où, par exemple, où on voit évoluer monsieur... Vous n'avez pas le porno? Vous détestez le porno? J'aime beaucoup le porno, mais il faut toujours prendre une distance. Ah, d'accord. Il faut toujours prendre une distance par rapport aux références qu'on nous inflige, qu'on nous impose. Et puis, il y a un énorme malentendu aussi entre les femmes et les hommes, et ça, je crois qu'il faut quand même le dire, c'est que nous, les femmes, nous avons une tendance très maternante. On veut faire plaisir aux hommes, et les hommes, ils veulent nous faire plaisir. Et alors, on est dans un système terrible parce que souvent, on simule. On simule parce qu'on a l'impression qu'il veut tellement y arriver à nous faire plaisir que pour lui faire plaisir, on va lui donner notre plaisir, mais notre faux plaisir. Et finalement, c'est un système complètement faux qui n'a aucune sincérité. Et si jamais un jour on craque et qu'on avoue, c'est la grosse catastrophe dans le couple parce qu'on se fait traiter de menteuse alors qu'on était si généreuse au point de sacrifier son propre plaisir. Et les hommes, souvent, voilà le malentendu aussi, portent leur identité entre leurs jambes. Il y a une espèce de dualité aussi. Rocco, il parle à son sexe. Tu vas sortir, tu vas le faire, oui, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Voulu, Rocco, il répond. Ah oui, depuis longtemps maintenant. Voilà, nous n'avons pas... C'est mon pote. Ben, bien sûr, voilà. Mais bien sûr, parce que, ben, dites donc, vous lui devez une fière chandelle, si j'ose dire. Hein. Mais nous, les femmes, nous n'avons pas cette identité comme ça entre nos jambes et nous n'avons pas ce besoin. Quand nous n'arrivons pas à jouir, nous, les femmes, ça ne s'appelle pas impuissance. Chez l'homme, ça s'appelle impuissance, cette incapacité à faire l'amour. Ça veut dire que quand il y arrive, il a la puissance, mais bien sûr. C'est un mot qui n'a pas de contraire. Voilà. C'est un mot qui n'a pas de contraire, mais tout de même qui est de la famille de puissance. On passe directement de l'excès. Mais c'est très important. Chez la femme, l'impuissance féminine existe aussi, mais on n'en parle pas. Ce serait dérisoire. Quelle puissance, quelle impuissance. C'est un concept nouveau. C'est un concept nouveau, voilà. Mais il y a des préjugés qu'il faut jeter bas. Donc la route est encore longue, si je me trompe. La route est encore longue, voilà. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, Ça se discute sera consacré au couple homosexuel. Une émission de mœurs cette fois, une émission moins sur la sexualité. Des couples d'homosexuels qui choisissent d'élever des enfants dans le cadre d'une soirée continue, donc à la suite d'un instit avec Gérard Klein qui prend la défense de deux élèves dont le père en couple avec un autre homme. Nous recevrons donc des couples d'hommes, des couples de femmes et de nombreux enfants qui sont élevés soit par des couples d'hommes, soit par des couples de femmes. Dans un instant, le dernier journal suivi du Cercle, à mercredi prochain. Merci de votre attention. Bonsoir, bonne nuit.